Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end et bienvenue à toi Costa. Et oui, j'ai passé de très bonnes vacances. Pour résumer, petites vacances, petite semaine déjà, on va appeler ça un retour aux sources, hein. Je suis allé dans ma famille. Donc, petite semaine bien reposante. Ensuite, ben, une petite fête médiévale hein, pour le retour. Retour de cette première semaine en famille. Donc, fête médiévale, voilà, avec quelques photos comme d'habitude. La seconde semaine, eh ben, très franchement, je n'ai rien branlé. Hein, je me suis bien reposé. Et la semaine dernière, le week-end dernier plus précisément, bah, comme annoncé, je suis donc parti. Adi, hein, donc c'est une ville dans la Drôme, pour un reportage en immersion sur les fêtes romaines de la Drôme en pays d'Iwa, qui est donc une manifestation qui est faite chaque année, enfin chaque dernier week-end de juillet en fait, hein, voilà, et qui se déroule donc sur 3 jours. Et durant lesquels j'ai pu retrouver en fait tous les copains de mon association. Et ça m'a bien fait plaisir. J'ai passé vraiment un très très bon week-end. Épuisant, hyper épuisant. Hein, entre la chaleur, le manque de sommeil et tout. Très épuisant, mais alors c'était vraiment quelque chose qui me manquait terriblement, quoi. Justement, c'est ce côté-là, quoi, ce côté où t'es là pour, voilà, je sais pas comment expliquer ça, quoi, t'as zéro confort, hein, tu dors presque pas, hein, j'ai dû dormir 4 heures, 4 heures et demie maximum dans tout le week-end, mais voilà, j'en ai kiffé chaque seconde. Je sais pas comment dire autrement, en fait, voilà. Donc, le montage de ce reportage. Il est fait, je vais le revisionner une dernière fois, histoire de voir si je peux pas soit enlever, soit modifier ou rajouter quelque chose. Oui, voilà, oui. Et donc voilà, une fois que j'aurai visionné et apporté les dernières modifications, s'il y a lieu d'en avoir, à ce moment-là, je le diffuserai donc sur cette chaîne. Donc pour le moment, il dure 1h40, hein, le reportage, hein, je vous le dis, c'est 1h40. En immersion, on voit vraiment en même temps le vendredi, c'est très bref, hein, puisque je l'ai juste résumé en deux photos qui vont expliquer en fait ce qui se passe le lendemain, enfin les premières images du lendemain, mais qui montrent surtout l'ambiance, hein, voilà, l'ambiance qui peut y régner. Ensuite, voilà, on a tout le déroulement de la journée du samedi. Et le dimanche, j'ai essayé de faire un petit peu plus court, puisque c'est souvent assez répétitif, hein, voilà, les différentes manifestations qui sont faites, hein, que ce soit les combats, les machins, voilà, les démonstrations et autres, c'est souvent les mêmes, puisque c'est rarement le même public, hein, le samedi et le dimanche. Donc on essaye de refaire un petit peu les mêmes trucs. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment résumé le dimanche. Mais voilà, le samedi dure facilement une heure et quart à peu près, un peu moins d'une heure et quart. Et donc voilà, j'ai essayé de condenser tout ça. Donc voilà, comme j'ai dit, hein, je vais revisionner ce que j'ai fait, ajouter, modifier ou enlever des morceaux au besoin. Et voilà, et ce sera prêt. Donc normalement. Allez, si je dis pas de conneries, je pense que peut-être pas le week-end, peut-être le week-end prochain, c'est pas sûr, mais dans le pire des cas, ce sera la semaine d'après. Voilà, la semaine d'après le 15. Et merci pour le host, Champy, merci beaucoup et bienvenue à toi.
Donc voilà, ça c'était donc pour le week-end de Di. Et après, bah, reprise du boulot, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve hein, pour le retour après presque un mois hein, maintenant. Hein, parce qu'il me semble que le dernier QPV c'était le 11 juillet, hein, si je dis pas de conneries. Donc presque un mois et sans QPV. Et donc il est de retour. Il est de retour. Donc on va attendre un petit peu que les gens viennent, hein, bien sûr, parce que bon, c'est toujours assez difficile de pouvoir reprendre après presque un mois d'absence, hein, les gens ont perdu l'habitude de se retrouver pour gagner des trucs, hein, c'est quand même bizarre ça. Mais donc voilà. Et puis bah, hier, petite journée vraiment sympathique que j'ai surkiffé. Petite visite en fait à Lyon, hein, dans le vieux Lyon, voilà. Découvert vraiment un truc, donc si vraiment vous passez hein, par le vieux Lyon, moi je vous invite vraiment très vivement et chaleureusement à vous rendre au musée du cinéma et des miniatures. C'est réellement, franchement, c'est kiffant, c'est bluffant. C'est bluffant parce que c'est vraiment, c'est les accessoires, c'est les make-up, enfin toutes les. Tous les masques silicone et autres qui ont été utilisés pour les films et les séries. On va y retrouver notamment la poupée Gremlins femelle hein, qu'on voit dans le Gremlins 2 hein, à la fin des Gremlins 2. On va retrouver également des masques, le masque de Wicket, de Star Wars. On va retrouver. Alors je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de Buffy où la mère de Buffy elle sort avec un robot, hein, un espèce d'androïde. Bon, on va retrouver le bras de ce mec là en question où c'était mécanique à l'intérieur, voilà. Et vraiment plein de trucs comme ça. Et alors une reine alien, donc l'original, hein, vraiment l'original de la reine alien, en animatronique bien entendu. Et petit à petit en fait ce musée réencode toute la partie codage de cette marionnette hein, quelque part. Et les mouvements sont de plus en plus proches de ce qu'on voyait dans les films. Et ça, mais ça, c'est kiffant. C'est kiffant, c'est kiffant. Alors moi, il y a une partie particulièrement que j'ai adorée. Alors le film, c'est pas le plus grand film de l'histoire du monde, hein, voilà. Il est même assez ridicule en comparaison du bouquin. C'est toute la partie qui considère le film le parfum. Donc je sais pas si vous avez vu ce film-là, Le Parfum, mais si vous ne l'avez pas vu, à la rigueur ne le voyez pas, hein, parce que comme je viens de le dire, c'est pas le plus grand film du monde. Mais en revanche, le bouquin qui est de Patrick Susskind, celui-là, je vous invite vraiment à le lire, parce qu'il est il est remarquable. Voilà. Après le film, quand on connaît pas le livre à la rigueur, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, parce qu'on se laisse quand même bien regarder, il y a de très jolis décors, voilà. Et donc. Pardon. Et donc voilà, on a plusieurs scènes hein, qui sont relatives à ce film-là, plusieurs scènes qui sont reconstituées dans ce musée. Et moi, ce que j'ai réellement trouvé de fascinant, c'est que bah, déjà on a les décors, des décors du 17e, hein, si je dis pas de conneries, parce que je crois que ça se passe dans les années 1600 et des brouettes, donc on est dans le 17e siècle. Voilà, on a vraiment cette reconstitution des décors qui sont très très bien faits, que ce soit dans le film ou là dans au musée. Mais en plus, on a vraiment la musique qui est là, elle est là, elle est présente, elle est pesante, et en même temps, on l'oublie quand on visite cette partie-là. Et le truc pour moi qui fait réellement le plus. Le petit plus, le petit truc en plus, c'est qu'il y a cette odeur. Il y a une odeur, il y a de la rose, il y a un parfum qui se dégage durant toute cette partie de la visite et qui est réellement enivrant. C'est vraiment un parfum qui est tout à fait enivrant et qui permet réellement de plonger dans ce qu'on est en train de voir. Et rien que pour ça. Rien que pour ça, c'était voilà, pour que ce musée ait l'idée d'avoir utilisé le parfum, rien que pour ça, honnêtement, allez-y. En plus, il fait super bon, il fait frais dedans, parce que cette partie-là, c'est dans la cave donc du musée. Et vous allez voir, s'il fait 35 à l'extérieur, vous allez vraiment être très bien à l'intérieur. Mais voilà, c'est quelque chose que moi j'ai trouvé absolument fascinant.
Vraiment fascinant. C'est le meilleur souvenir que je garde finalement de la visite de ce musée. Hein, autre, bien sûr, que tous les trucs qu'il y a. Voilà. Parce qu'il y a énormément de choses. Hein. Il y a les costumes de son, enfin de, non, c'est pas Centurion, c'est la dernière Légion. Il y a un costume aussi d'un garde prétorien de Gladiator. On a Chucky. Très important, Chucky. Donc, on va essayer de revenir quand même un petit peu avec UPV quand même, hein. On va voir combien de personnes sont présentes, et bienvenue à toi Champi du coup. Donc oui, donc bon, on n'est pas encore assez nombreux, je vais continuer à papoter. Donc du coup, voilà, vraiment, le musée du cinéma et des miniatures, d'ailleurs, ils ont une page Facebook, que je vous invite également à regarder pour voir un petit peu ce qu'ils font. Et ce qui est aussi assez intéressant... C'est qu'à un moment donné de la visite de ce musée, on a la possibilité d'approcher les ateliers de réparation. Parce que bien sûr, quand un accessoire quelconque est utilisé pour un film, une fois que le film est terminé, le truc est rangé, voilà, il est archivé dans un coin, on n'en parle plus. Et en général, bah, ça se détériore forcément, parce que c'est pas fait pour durer. Et donc, quand ça arrive au musée, ça passe, bien entendu, comme n'importe quel musée, ça passe par le service de restauration. Et là, on a accès, enfin, pas directement, hein, on peut pas tourner autour des tables et tout, mais on voit l'atelier de réparation, comment ça se passe, qu'est-ce qui va être exposé par la suite. Et ça, moi, je trouve ça vraiment très cool de la part de ce musée-là, de nous montrer, bah, que dans pas longtemps, par exemple, il va y avoir le masque de The Mask, il va y avoir... qu'est-ce qu'il y avait encore? Que je dise pas de conneries. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu un autre truc qui était intéressant. Merde. Ouais, c'est ça. Ouais, vu sur l'atelier, ouais. Ah, mais tu l'as déjà vu, Costa, ce... Ah ouais, voilà, ouais, il est vraiment génial, ce truc. Ah. Ouais, franchement, c'est très bon souvenir, cette visite de musée-là. Et même les miniatures, hein, pour ceux qui aiment pas trop les miniatures, machin. Y a des, enfin, y a, voilà, y a des trucs qui sont faits. Tu te dis, mais comment ils ont fait? Alors, il y a des, effectivement, il y a des trucs qui sont pas forcément super réalistes. Notamment tout ce qui est organique, c'est assez compliqué à retranscrire en miniature. Mais ah ouais, exactement, ouais. Mais il y a des effets de profondeur, des effets de lumière, des mises en valeur de tel ou tel décor, je sais pas comment expliquer ça, qui permettent vraiment, par un jeu de clair-obscur, de lumière, qui mettent en valeur en fait quelque chose qui, à la lumière du jour classique, rendrait pas aussi bien. Mais avec le bon éclairage, du coup, on obtient réellement ce que la personne qui a fait cette miniature cherchait à obtenir. Vraiment, on a un truc qui est juste, on a des effets qui sont juste magiques. Truc tout bête, moi il y en a un qui est sur lequel je suis assez resté scotché. C'est juste un couloir qui est totalement sombre. Tout au fond, tu as une porte d'ascenseur. Et donc la porte d'ascenseur est éclairée et dedans tu as un seau. Et ça, c'est en miniature. Mais rien que ça, mais. Ça, avec ce jeu de lumière, etc., qui est fait par l'artiste, hein, qui a, voilà, ça crée réellement une ambiance. D'entrée, on regarde ça, on se met tout de suite dans l'ambiance. Voilà. Après, il y en a qui sont vraiment un peu moins bien, hein, voilà, enfin, qui sont pas à mon goût, en tout cas, hein, qui sont peut-être au goût d'autres, mais ouais, c'est ça, l'art du détail, exactement. Exactement. Alors moi, j'ai fait un tout petit peu de miniature à un moment donné, hein, mais vraiment pas grand-chose et un très très modeste niveau. Bon, en plus c'était sur des Romains, donc je ne peux qu'être admiratif en voyant ce que certains sont capables de faire, quoi. Donc voilà. Donc du coup, bah, je vais quand même poser la question, même si on n'est pas encore beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut participer à QPV? Alors aujourd'hui, hein, bien sûr. Je vais déjà vous énumérer un petit peu ce qu'il y a à gagner, hein, ce sera pas mal. Ah, allez, un petit peu d'Harry Potter et de Star Wars, si ça vous tente, hein, bien entendu. Donc, une petite figurine pop de C3PO. Un porte-clés Harry Potter Serpentard
pour ceux qui aiment bien Voltepoule, la Voldemort, hein, Voldepoule. Et une boîte, une lunchbox, on va chercher le mot en anglais, une lunchbox Harry Potter également. Voilà, donc les trois trucs à gagner aujourd'hui pour celui qui arrivera au bout de la finale, sachant que bien entendu les autres finalistes repartiront toujours avec une clé Steam. Ouais, mais oui, mais complètement. C'est. Bah, après, le truc, c'est que. Enfin, il y a des machins, effectivement, quand il n'y a pas cette notion de perspective, hein, de vraiment de profondeur, c'est vraiment qu'ils vont jouer sur le détail, vraiment. Ils sont obligés. Sinon, ça passerait pas. Mais quand on arrive à créer une notion de profondeur, à ce moment-là, le détail, il devient limite un petit peu anecdotique. Parce que ce n'est plus vraiment ce qu'on va chercher. Parce que au final, à plus on est loin, à plus on verra moins. Donc on n'est pas obligé de faire des trucs très détaillés. Mais juste s'attarder réellement à créer l'effet de profondeur. Et c'est ce qui rend le total très bien. C'est ce qui rend vraiment le total parfait, quoi. C'est cette illusion de profondeur. C'est moi, c'est ça qui m'a bluffé sur les au niveau des profondeurs. Et donc bah voilà, hein, très 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 bon souvenir de ce vieux lion, d'autant plus, alors bah là c'est une partie historique, hein, bien entendu, d'autant plus que juste à côté de la cathédrale, donc Saint-Jean, on a les restes, hein, des premières églises chrétiennes qui ont été construites à Lyon, à Loguenome encore à l'époque, donc qui sont voilà, hein, qui sont vraiment à l'origine. Donc on reconnaît assez bien, hein, on est typiquement dans les basiliques romaines, on reconnaît parfois, moi j'ai reconnu parfaitement. Je suis passé à côté, j'ai fait tiens, ah, ça c'est romain, ça. Ça c'est romain, il y a un truc, du coup on est allé voir. Voilà. Ah, moi tu me mets trois ruines, je te dis tout de suite à quelle époque c'est, quoi. Hein, Ah, au type de construction, ça se voyait direct. Mais vraiment très très impressionnant. Après, j'avais pas encore vu le plan du truc, parce que moi il y a le panneau avec le plan et tout. J'avais pas vu le plan, que déjà moi dans ma tête j'avais déjà le bâtiment limite intact devant moi, quoi. Je voyais comment il était. À force de voir, de commencer à voir les ruines, machin, à aller à droite à gauche, regarder comment que c'était fait, étudier l'architecture de cette époque. Je vois un arc de cercle, je fais ça, c'est une église, voilà comment elle devait être. Et dans ma tête elle est construite. Et après, bon, après il y a des détails, mais après voilà, c'est le plan confirme ou pas. Oui, Lugdunum, oui, tout à fait, Lugdunum. Lugdunum, Lugdunum. Donc à la base, c'était juste un petit village, hein, Lugdunum. Et c'est Auguste qu'on a fait la capitale des Gaules. Enfin, la seconde capitale des Gaules, parce que la première, c'était Nîmes quand même. La première capitale des Gaules, je rappelle au passage, c'est Nîmes. Hein, c'est la ville de Nîmes, hein, Nemosus. Mais vu que Nemosus appartenait à la Narbonnaise, hein, donc était, on va dire, province depuis presque 200 ans au moment de la guerre des Gaules, au moment d'Auguste plutôt, 150 ans à peu près au niveau de la guerre des Gaules, bah du coup, voilà, forcément, il fallait une capitale et c'était Nemosus. Et bon, il y a toute une histoire avec ça. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est très bien que je vous invite à lire, c'est le livre d'Éric Tessier sur les origines de Nemosus, et qui l'expliquera beaucoup mieux que moi. Mais une fois que la guerre des Gaules fut terminée, Auguste, donc le neveu et fils adoptif de Jules César, a décidé d'en faire la, avec un L majuscule, hein, la capitale des Gaules, faire de Lugdunum la capitale des Gaules. Donc il a absolument tout quadrillé et tout. Et c'est ça qui est intéressant, parce que même si tu connais pas Lyon, du moment que tu saches que c'est romain, que le vieux Lyon c'est typiquement romain, tu ne peux pas te perdre. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Si tu tournes à un moment donné à gauche, tu te dis merde machin, et puis après que tu marches un peu et tout, ah merde, comment je vais faire pour retrouver la voie où j'étais? Il suffit juste de tourner dans l'autre sens. Hein, tu prends à droite, c'est bon. Hein, tu traverses la rue et t'es retrouvé la rue de base. Hein, c'est très très logique. C'est tout, c'est un quadrillage. C'est pas comme le Moyen Âge où c'est des petites ruelles qui partent un coup à droite, un coup à gauche, on sait pas trop où on va. Là, l'avantage des villes romaines, c'est carré. Donc tu peux pas te planter, c'est impossible de te tromper et de te perdre dans le vieux Lyon. C'est pas possible.
Et quand tu sais ça, tu peux aller dans quasiment toutes les villes de France. C'est ça que voilà. Donc le vieux Lyon, ouais, c'est joli, c'est vraiment très très joli. Et moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé également, c'est que c'est pas un machin qu'on a visité, etc. C'est vraiment, tu te promènes et dans le vieux Lyon et tu regardes juste les maisons autour, les immeubles autour. Tu regardes juste ça. Et juste ça, déjà, t'as au moins 500 ans d'histoire. Au moins. C'est voilà, la première façade que tu vas croiser, tu peux être sûr qu'elle date de 1500, 1600. C'est voilà, dans la première, comment ça, la première? Ah, deuxième. La première et deuxième, d'accord. Donc elle habite dans la première capitale des Gaules, donc Nîmes, hein, en l'occurrence. Bah pour moi, la première capitale des Gaules, c'est Nîmes. Hein. Lyon est la deuxième capitale après la guerre des Gaules. Hein. Bon, après, elle est devenue la hein, capitale des Gaules. Mais ouais. Mais pour moi, la première capitale des Gaules, c'est Nîmes. Enfin, Nemosus, en l'occurrence. Bon, est-ce qu'on a un peu de monde? 6, on est 6, ben, c'est très bien 6, alors à moins que les bots de Twitch hein, décident enfin de participer à mon jeu, hein, messieurs de chez Twitch, hein, essayez de participer, hein, vous devez avoir un Google Traduction hein, comme nous, hein, donc vous pouvez très bien jouer. Du coup, bon allez, qui veut participer? D'accord, elle a déménagé, ouais, dans la deuxième. Ok. Bah oui, bah c'est très bien, c'est très bien. Elle va de capitale en capitale, c'est parfait. Exactement. Il est con. Alors, Costa veut bien participer. Ça marche. Champi, peut-être. Bon, il disait qu'il était fatigué. Je sais pas, il a encore picolé, Champi. Ouais, c'est vrai que pour le moment, y a pas encore bien grand monde, hein, malheureusement. On va attendre, hein, c'est pas bien grave. Y a pas grand monde, mais ça, c'est. Voilà. Hein, normal, hein, une reprise après presque un mois, voilà. Et oui, il y a Piu-Piu encore. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, Piu-Piu? Donc voilà, hier, un samedi fortement sympathique. Alors. Et vous, du coup, vos vacances, hein, si vous en avez eu, est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Coucou Maskai, comment vas-tu? Que t'as passé un bon week-end, Sky? Pas trop chaud, j'espère. Ah, comme tu le vois, on attend tranquillement que des gens viennent. Ah, on a déjà Costa qui participe. Donc, bien sûr, Costa, tu connais le process. Hein. Je vais d'ailleurs de suite te donner le rôle qu'il te faut. Où c'est que t'es caché? Ah, te voilà, tu es là. Voilà. Ah bah ça va si t'as un peu d'air c'est très bien parfait et merci. Ouais c'est vrai que ça souffle très très légèrement là ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, ça change. Mais ils annoncent moins chaud quand même hein, la semaine prochaine. Hein. Enfin chez moi en tout cas. Hein. Salut à toi Costa. Ils ont annoncé
Bah disons que vendredi samedi là il disait 34 et après on a 29 pour à peu près quasiment tout le reste de la semaine prochaine. Hein. À part demain, je crois qu'il fait aussi 34, une connerie comme ça. Mais sinon ouais ce sera 29. Donc il fera déjà un petit peu moins chaud, ce sera peut-être un petit peu plus supportable. Sauf si bien sûr c'est orageux. Alors là par contre il peut même faire 13 degrés si c'est orageux, il va transpirer comme une merde. Ça c'est l'enfer. J'ai horreur de ce temps-là. Ça c'est un temps qui m'énerve. S'il tape sur le système en fait. il fait pas super chaud, mais le moindre moment tu transpires parce que le taux d'humidité est tellement élevé que voilà, c'est. Et salut à toi, Naki. Naki. Bien, Naoki, pardon. Pardon, j'ai écorché ton pseudo. Bienvenue à toi, Naoki. Du coup, j'espère que tu vas bien. Hein, j'espère que tu vas bien. Alors, je sais pas si tu connais le principe de ce jeu, hein, bien entendu. Nous sommes pour le moment toujours à la recherche de participants. Ah, elle veut un t-shirt. Eh ben, d'accord, ça marche. Ça marche. Donc le principe de jeu est assez simple, hein. Là comme tu le vois, il y a plusieurs catégories de questions. Donc il y a l'Antiquité, Mythologie, Histoire, Jeux vidéo et la catégorie Mystère, qui aujourd'hui, hein, vous l'aurez compris, recouvre la catégorie Cinéma-Télévision. Donc la catégorie Mystère, hein, bah, c'est un petit peu au pifomètre, hein, mais voilà, je vais piocher dans mes questions Mystère. Ah, on a de la géographie, de la chimie, voilà. Et le but étant déjà d'être interrogé individuellement, faire le maximum de points pour pouvoir accéder à la finale. Et dis-toi que dès que tu arrives à la finale, d'une chose, que tu la gagnes ou pas, déjà tu repars avec une clé Steam. Après, maintenant, si tu la gagnes, eh ben, j'ai dit ce qu'on gagnait là tout à l'heure. Donc on gagne une figurine pop de C3PO, on gagne un porte-clés Serpentard. Et une lunchbox Harry Potter. Voilà, ça c'est ce qu'il y a à gagner aujourd'hui. Non, ça, non, non, ça ne se mange pas. Whiskey, du Harry Potter, effectivement, du Harry Potter. Ce sont donc les cadeaux d'aujourd'hui pour celui qui remportera la finale, hein, bien entendu, sachant que les finalistes, enfin les deux autres finalistes auront donc une clé Steam. Hein, que je piocherai dans mon listing et voilà. J'ai fait une OPA dessus. OPA style ou Alors, bah du coup, j'imagine que Sky, tu vas vouloir participer maintenant que tu sais qu'il y a du Harry Potter à gagner. Naoki, si ça te tente, bah fais-toi plaisir, hein, bien entendu. Donc suffit donc de me dire que voilà comment on joue exactement. Il suffit de me dire que t'as envie de jouer. Voilà. Moi, j'inscris ton nom hein, en joueur 2. Hein, voilà. Et ensuite, il faut rejoindre mon Discord. Donc, plusieurs possibilités. Soit tu descends hein, dans le descriptif de la chaîne et tu vas trouver un panneau Discord sur lequel tu vas pouvoir cliquer dessus et rejoindre mon serveur. Ou alors, voilà, tu peux également utiliser. Je crois qu'il est dans RS2 hein, par contre. Voilà. Tu peux effectivement utiliser le lien que je viens d'afficher sur RS2. Et qui est le salon Discord. Donc si tu veux participer, bah tu me le dis et voilà. Après, il suffira de répondre aux questions, sachant que ce n'est pas en vocal, hein, bien entendu, parce que je sais que certains n'aiment pas trop, hein, voilà, que ce soit en vocal. Donc du coup, pour éviter que ça parte en cacahuète aussi, c'est juste fait pour entendre les questions et on répond sur Twitch. Voilà, on répond sur Twitch. Donc ok Naoki, voilà, donc maintenant tu peux revenir rejoindre le Discord. Je vais attendre que tu arrives. Ah, Sky est tenté pour pouvoir jouer. Ouh. Donc Naoki, je t'invite bien entendu à rejoindre Discord. Alors, est-ce que tu es arrivé sur Discord ou pas?
D'ailleurs, est-ce que j'ai bien écrit ton pseudo? Oui, j'ai bien écrit ton pseudo, parfait. Du coup, Sky, tu vas participer ou pas du tout? Oui, bah oui, j'ai beaucoup de. Oui. Ah, c'est bon, tu nous as rejoint mon Discord. Alors, où te caches-tu? Ah, tu es là, Nao, très bien. Donc, je t'accorde le rôle de participant. Voilà, et maintenant tu peux m'a. Ah, voilà, parfait. Est-ce que tu m'entends bien, Nao? Donc, bien sûr, on répond hein, sur Twitch. Voilà, parfait, parfait. Donc, c'est nickel. Donc, plus qu'un seul candidat. Ah, peut-être après, Disky, peut-être après. Elle va jouer peut-être plus tard. Alors oui, hein, pour le t-shirt, bah écoute, bah oui, hein, pas de problème. Hein. Donc oui, plusieurs manières de gagner hein, d'autres trucs, hein, puisque bon, c'est bien beau d'avoir une monnaie, enfin même deux monnaies en l'occurrence, puisqu'on a la monnaie de Wizbot et la monnaie Twitch. D'ailleurs, voilà, hop. Si j'ai pas, si, est-ce que, oui, non, j'ai oublié un S, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc on a les deniers hein, qui sont la monnaie de Wizbot qui vont permettre de vous procurer soit des clés Steam soit des t-shirts en l'occurrence hein, voilà en fonction de pour dépenser cet argent-là. Donc il suffit d'accéder au panel de mon Discord et de mon Wizbot pour pouvoir vous offrir tout cela. Donc pour pouvoir y accéder en général, il suffit juste de faire slash host hein, et on accède directement. Bah déjà vous pouvez me hoster en même temps au passage hein, si le cœur vous en dit. Et en même temps vous pourrez accéder au panel qui de la boutique. Autre monnaie, les sesterces hein, qui sont donc liés à l'extension de Twitch et qui là aussi vont vous permettre de remporter 2-3 petites choses. Puisque on va avoir là encore une fois plusieurs choses pour pouvoir dépenser ces sesterces. Il y aura des clés Steam, il y a des porte-clés, il y a des codes promo aussi sur ma boutique qui seront directement par rapport à ma boutique. Après les trucs classiques qu'offrait Twitch. Hein, voilà donc mon Facebook, Twitter, machin, enfin bref. Voilà. Voilà, donc ça c'est. Fond transparent et c'est bien le bon format. D'accord. Ok, bon bah tant mieux si ça marche, Sky, parce que du coup, je pense que tu devais pas être en PNG ou alors un fichier corrompu, peut-être. Je sais pas. Non, non. Oui, donc du coup, ils ont mis des petits badges, hein, ouais, enfin ça change pas grand-chose, hein, cela dit, mais bon, voilà, vous verrez pour les subs. Bah déjà, pour les subs, ceux qui vont s'abonner, hein, première chose, ils repartent pas les mains vides, hein, parce que ça, ce serait un petit peu hypocrite de ma part de vous demander de vous sub, hein, et puis de vous rien vous offrir, ce serait dégueulasse. Donc du coup, quoi qu'il arrive, vous repartez avec quelque chose, hein, ça c'est pour moi, c'est normal. Et par contre, voilà, ils ont Twitch a fait des badges. Donc un mois de sub, vous aurez un petit casque romain, hein, un casque impérial gaulois, je crois qu'il est de type F ou G, je sais plus exactement. Et ensuite, on a la crête, enfin avec le cimier blanc hein, pour les 3 mois, cimier noir pour les 6 mois et cimier rouge pour les 1 an. Donc voilà, hein, ça c'est les petits badges qui, je le rappelle, ne servent strictement à rien. Hein, on est bien d'accord. Du coup, ouais, non, 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 c'est, non, non, y a pas des t-shirts beaucoup de Pico, hein, ni Pika, je sais plus quoi, ni Pikachu d'ailleurs, mais ni Pico Taro, ouais, c'est ça le nom que je cherchais. Et non, non, c'est, en fait, y a toutes les, c'est des t-shirts qui sont en relation avec ma chaîne, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les émissions que je fais, voilà, y a un peu de tout. Mais pas que des t-shirts, hein, il y a des sweats, il y a un peu de tout. Donc du coup, donc ça c'était pour hein, pour la partie pub. Hein, j'aime pas trop faire les parties pub, c'est pas un truc qui me plaît particulièrement, parce que ça fait très très roumain devant la Lidl, alors que c'est pas le cas du tout. Donc voilà, hein, je sais bien que j'ai une connexion de Moldave, mais quand même, hein, je suis pas roumain pour autant.
Du coup, Sky, t'es sûr de que tu veux attendre pour pouvoir participer? Champi, est-ce que tu veux... T'es sûr que tu ne veux pas jouer, Champi? T'es sûr que t'as pas envie de jouer? Ah oui, c'est vrai, oui, Eastord aussi, tu fais bien d'en parler d'ailleurs, Sky, de Eastord, puisque Eastord, c'est un salon d'ailleurs qu'on a créé avec Sky, qui est un salon Discord, et qui est entièrement consacré à l'histoire. Donc on a une petite partie aussi quand même, what the fuck, pour les conversations à la con, hein, heureusement, hein, faut bien se défouler quand même, mais tout le reste est uniquement concentré sur l'histoire et c'est vraiment classé par période. Donc il y a des articles, on échange des médias, enfin que ce soit des médias, que ce soit audio, enfin des vidéos ou des images, voilà. On échange un peu tout et bienvenue à toi Sky. Ah bah du coup elle participe. Ah bah c'est parfait, c'est parfait. Donc voilà. Hein, et il y a également donc des téléchargements qui sont gratuits. Notamment, il y a des documentaires hein, qui sont possibles de regarder, hein, suivant les périodes, bien entendu. Et ainsi que des articles, des ouvrages et même des livres audio hein, qui sont disponibles gratuitement sur Eastord. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs rôles. Il y a le rôle de simple curieux, quelqu'un qui a envie de découvrir, bon, parce que ça l'intéresse, mais très vaguement. Voilà, il veut juste en savoir un peu plus sur telle ou telle période, auquel cas il le peut. Après, on a les amateurs d'histoire en rôle, où là, les amateurs d'histoire vont réellement hein, être là pour poser des questions, essayer de comprendre les choses, peu importe la période. Et on a des historiens hein, qui sont présents. Historiens, donc soit des docteurs en histoire ou docteurs en archéologie. Qui sont présents également et qui sont là pour répondre aux questions. Donc pour le moment, il n'y en a pas encore des millions, hein, voilà. Mais il y en a, hein, on a la Cortana qui a quand même un doctorat en archéologie. On a, alors comment, c'est quel pseudo il a pris lui? On a un Caius Iulius Caesar, par exemple, hein, qui est un professeur de collège et donc licencié en histoire. Et qui a monté son association de reconstitution historique. Voilà. Et avec des gamins, ce qui est absolument génial. C'est une autre histoire. Vous verrez tout ça dans le documentaire en immersion que je vais diffuser dans pas longtemps. Et donc, voilà. Eux, ils sont là vraiment pour pouvoir répondre aux questions dans la mesure de leur connaissance, hein, bien entendu, puisque c'est pas forcément leur spécialité. Et donc voilà, Eastord, c'est Eastord. Le lien, vous pourrez le trouver dans le descriptif de ma chaîne. Il suffit d'aller dans la partie qui concerne le Discord. Vous allez trouver, en fait, trois, hein, trois Discords. Celui où vous êtes là actuellement, hein, pour ceux qui sont en vocal là actuellement. Vous allez trouver Radio Concombre, qui est un Discord totalement what the fuck, qui est fait pour le what the fuck et par des what the fuck. et Eastord, voilà. Donc, puisque nous avons nos trois participants pardon, qui sont Costa, Naoki et Sky, je propose que l'on commence. Costa, quelle catégorie de questions souhaites-tu? Direct, il commence avec la catégorie mystère. Catégorie mystère et tu tombes sur la géographie. Catégorie mystère géographie. Donc pour la géographie, il n'y a pas de timer puisque c'est un question à choix multiple. Et donc la première réponse donnée sera donc la seule hein, réponse qui pourra être donnée. Voilà. Catégorie géographie, on commence. C'est assez simple. Quelle est la capitale de l'Australie? A. Sydney. B. Melbourne. C. Canberra. Et oui, Costa, effectivement, c'est Canberra. Premier point pour toi. Donc c'est assez simple, hein. Enfin, en tout cas pour l'Australie. Quelle est la capitale de la Birmanie? A. Rangoon. Mandalay ou Napiadown? Napidao, je sais pas quoi. Naipidao, j'arrive pas à prononcer ce truc. Mandalay ou Naipidao?
Nappy truc, ouais, c'est nappy truc, effectivement. Deuxième point pour toi. C'est nappy bidule, effectivement. On continue. Quelle est la capitale de la Bolivie? La Paz, Sucre ou Trinidad? Et c'est effectivement Sucre. Ah bah oui, les questions reviennent petit à petit, hein. D'ailleurs, il va falloir que j'en refasse quelques-unes. On continue. Quelle est la capitale du Boukistan? A, mon cul. B, ce pays n'existe pas. C, Kondoz, hein, qui se trouve en Afghanistan. Et oui, ce pays n'existe pas, effectivement, bien sûr. Je l'adore cette question, je sais pas pourquoi. Oui, bien sûr, à part dans la Sainte Église du Saint-Concombre, tout à fait. Quelle est, et dernière question, hein, peut-être premier sans faute, quelle est la capitale? D'ailleurs, ce serait bien que je puisse quand même hein, faire ça. Mais en attendant, le son marche, c'est déjà pas mal. On continue avec cette dernière question. Quelle est la capitale du Belize? A, Belmopan. B, Belize City. C, Dangriga. Ah, là. Melbopan. Enfin, c'est Belmopan, mais oui, c'est ça. Eh bien, premier sans faute, bravo à toi Costa. Tu vois, 5 points. Donc, bien entendu, s'il y a égalité, hein, je rappelle qu'il y a une question subsidiaire pour départager, hein, bien entendu. Naoki, c'est donc à toi. Quelle catégorie de questions veux-tu choisir? Mais non, ça va le faire. Jeux vidéo pour Naoki. Donc, c'est jeux vidéo et informatique, hein, bien entendu. Et on a peut-être de l'histoire aussi sur l'informatique et le jeu vidéo. C'est très large, hein, le domaine jeu vidéo. Mais là, en l'occurrence, non, c'est vraiment jeu vidéo pur. Donc, ça, il y a peut-être une question qui est un peu hardcore, mais sinon. Enfin, hardcore, d'un point de vue historique, mais sinon, voilà. Allez, on est parti si tu es prêt. J'ai des reconnaissances, mais dis pas ça, Sky, dis pas ça. Allez, on y va, si tu es prêt. Qui est le boss de Donkey Kong Country? Là, tu as par contre le timer de 30 secondes. Qui est le boss de Donkey Kong Country? Donc ça, bien sûr, je parle du premier, hein, le premier Donkey Kong Country, qui était donc sur Nintendo 64, si je dis pas de conneries. L'espèce de gros Rataxès de babar, là, l'espèce de croco, sauf que Rataxès c'est un rhinocéros, mais c'est pareil, avec les écailles en moins. Mais sinon, ouais, c'est l'espèce de gros croco avec sa cape violette, là. Donc pas de bonne réponse. Et donc, est-ce que quelqu'un connaît le nom de ce gros truc dégueulasse, hein, qui était le boss de fin, le grand méchant de Donkey Kong Country? Alors moi qui ne suis pas un grand fervent, hein, de jeux vidéo, j'aime bien, mais je ne joue que très très rarement. Même moi ça je sais. Voilà. Mais moi ça je sais, en même temps je le sais contraint et forcé puisque mon frangin il jouait quasiment constamment à l'époque. Donc je l'ai su, hein, par résignation, mon cerveau a été obligé de l'imprimer. Donc personne ne l'a, et bah c'était King K. Cool. King K. Cool. Une espèce de gros croco ou je sais pas quoi, tout dégueulasse. Et on continue. Quel jeu basé sur Defense of the Ancient? Est disponible en free-to-play sur Internet et développé par Riot Games. Celle-là, je savais pas tout le truc, mais Riot Games m'avait mis la puce à l'oreille quand j'avais trouvé la question. Même si j'ai horreur, une sainte horreur de ce jeu.
Quel jeu basé sur Defense of the Ancient est disponible? Oui, c'est LOL, effectivement, League of Legends. Premier point pour toi. Et effectivement, c'est League of Legends. On continue. Qui la société Nintendo embauche-t-elle en 1977? À savoir que c'est à partir de là qu'on a du Mario. Hein, donc qui la société Nintendo embauche-t-elle en 1977? Un japonais? Oui, ça c'est à peu près certain. En gros, la question c'est qui est le père de Mario, hein, c'est ça le truc, hein, qu'il faut bien comprendre, puisque Mario est arrivé juste après. Donc la réponse est effectivement apparue. Si tu fais un copier-coller dans les 10 secondes qui suivent, Nao, tu peux avoir le point. Et non, tu ne l'auras pas marqué. Mais oui, effectivement, c'était. Donc tu marques pas de points, hein, bien sûr, puisque tu n'as pas mis le nom. Mais c'était effectivement Shigeru Miyamoto qui a été embauché en 77 par la société Nintendo. Et c'est à partir de là qu'on va avoir déjà la première borne d'arcade avec Donkey Kong. Hein, et ensuite Super Mario Bros. Enfin Mario Bros en l'occurrence pour la NES et ainsi de suite. Donc ça c'était le petit côté histoire. Quel fut le premier blockbuster de l'histoire du jeu vidéo que Taito lança en 1978? Très grand jeu, hein, où il faut empêcher une invasion alien. Et encore maintenant, hein, des versions sont toujours sorties, hein, elles sortent encore les versions. Copier-coller, fais un copier-coller Nao, fais un copier-coller. Ouais, oui, c'est Space Invaders, c'est effectivement deuxième point pour toi. Dernière question pour toi. Quel jeu? Quel est le nom de ce jeu d'action RPG sorti en 2017 dans lequel on incarne une fille dans un monde futuriste avec des machines préhistoriques? Pas du tout. C'est pas la drogue. Mais c'est une rousse, hein. Alors ceux qui aiment bien les roues, hein, tant mieux. Mais c'est une rousse, c'est une rousse. C'est une rousse qui est habillée en peau de bête et qui se bat avec un arc futuriste. Alors, copier-coller, Nao. Copier-coller. Effectivement, c'est Horizon Zero Dawn. 3 points pour toi, Nao. C'est bien joué. Et c'est à Sky qui a envie de gagner la lunchbox Harry Potter ainsi hein, que le porte-clés de Serpentard. Quelle catégorie de questions veux-tu choisir, Sky, parmi les deux qu'il te reste? Les deux meilleurs, hein, je trouve d'ailleurs. Ouais, il est sorti en 2017. Il est sorti en début d'année 2017, si je dis pas de conneries, en février ou mars 2017. Prendre antiquité, mythologie. Alors je vais voir déjà un petit peu les questions que tu vas avoir. Parce que vraiment je prends au pif. Hein. Moi j'ai les fiches, elles sont prêtes, elles sont rangées, donc après je prends au pif. Putain. Bon. Bah si, tu vas faire des points. Si, tu vas faire des points. Antiquité, mythologie. À quel siècle débute ce que l'on nomme les invasions barbares? Et salut à toi Roland, comment vas-tu? Ah ben oui, c'est depuis le 11, hein, le 11 juillet, qui était la dernière de QPV avant les vacances. Et non, les invasions barbares, on est dans l'Antiquité, donc on parle pas de vikings. Donc ce n'est pas le premier, champi. C'est pas le premier siècle. Oui, effectivement, c'est le troisième siècle, Sky. Très bonne réponse. Premier point pour toi. C'est voilà, on considère qu'à partir du troisième siècle après Jésus-Christ.
Les invasions barbares vont réellement commencer, puisque il y a toujours eu des petites incursions, mais pas aussi gigantesques qu'à partir de celles du 3e siècle, où vraiment là l'Empire romain était vraiment commencé à être sur le déclin, hein, très clairement. Puisque tout le 1er siècle de notre ère et jusqu'au milieu, on va dire, du 2e siècle, c'était l'apogée, en fait, hein, voilà, l'apogée de Rome en tant que telle. Et ce n'est qu'après, bien sûr, que ça a commencé à décliner. On continue. À quel siècle remontent les conquêtes d'Alexandre le Grand? À quel siècle remontent les conquêtes d'Alexandre le Grand? Donc si ta sœur est à côté de toi, elle peut peut-être avoir la réponse. Donc le 5e siècle, pas tout à fait. Oui, 4e siècle, effectivement. 4e siècle, mais avant Jésus-Christ. Hein, j'aurais pu être chiant aujourd'hui et vous demander si c'était avant ou après. Or non, j'ai pas envie d'être chiant aujourd'hui. Donc j'accepte 4e siècle et c'est avant Jésus-Christ. Que remontent les conquêtes d'Alexandre le Grand. On continue. Quelle autre origine que celle de Saint-Nicolas inspira également le personnage, pardon, du Père Noël? Quelle autre origine que celle de Saint-Nicolas inspira également le personnage, bah, décidément, non, ce n'est pas, non, non. Là, on est dans la mythologie nordique, là, pour le coup, et germanique aussi. Nordique et germanique, donc quel personnage inspira le personnage du Père Noël? Ce n'est pas Thor, ce n'est pas. Non, enfin. Odin, effectivement, a été à un moment donné associé, hein, quelque part. Mais là, c'est pas celui-là que je cherche. Pas de réponse. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Alors, pour faire très simple, c'est un lutin, hein? Mais je veux le nom de ce lutin. Quel personnage, donc, quel lutin inspira le personnage du Père Noël? Personne ne l'a? Et c'est Julienis. C'est... Non, c'est... Oui, enfin, ça aurait pu, Sarkozy, mais sans la barbe. Julienis, qui était un lutin nordique, donc un lutin de la mythologie nordique et germanique, puisqu'il apparaît dans les deux mythologies. Et qui avait pour coutume de faire des petits présents, des petites choses comme ça. D'ailleurs, alors lutin, de ça, hein, de Julienis, le lutin, c'est devenu lutiné, qui signifiait plus tard flirter. Hein, et de flirter, on arrivait à lutin pour désigner un petit truc tout dégueulasse qui ne ressemble à rien et qu'on voit dans Harry Potter dans des banques, hein, par exemple. Voilà, c'est lutin du verbe lutiner qui veut dire flirter, draguer ou voilà, faire la cour. Voilà. Donc voilà, donc pas de point pour cette question-là. Et maintenant, puisque j'ai donné la réponse tout à l'heure, j'espère que tu la retrouveras maintenant. Un dieu nordique est lui aussi à l'origine du Père Noël. Lequel? Et oui, c'est Odin, effectivement. Troisième point également pour Sky. Et dernière question. Qui est con? Ah bon, c'est un lutin. Ta bite, c'est un lutin. Ah ouais, je savais pas. Il a des oreilles et tout. Dernière question, par quel mot célèbre César annonça-t-il au Sénat sa victoire sur Pharnace près de Zella? Donc je veux une citation de Jules César. Donc il est allé à Pharnace, hein, près de Zella. Oui, Veni. La bonne réponse, effectivement, oui. J'ai vu, ouais, et bah oui, je te l'accorde, hein, Sky. Effectivement, je veni, vidi, vici, hein, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Hein. Et c'est donc 4 points pour toi, ce qui, bien sûr, n'est pas suffisant pour égaler Costa, qui est donc notre premier finaliste. On remet tout à zéro, Sky, Nao, est-ce que vous voulez retenter votre chance et accéder à la finale?
Donc Naoki me dit ok, je retente. Sky, peut-être, pour. Oh, allez, pour la lunchbox. Et salut à toi, Walmart. Comment vas-tu? Vinny Wikus, Vinkus. Est-ce que. J'ai pas vu Sky si tu voulais retenter. Alors, allez, Sky, je sais que t'as envie de gagner cette lunchbox. Hein. En plus, ça fait un moment que je l'ai, ce truc, et je cherchais une occasion hein, de la donner. Ah, Sky va retenter. Il nous manque donc un dernier participant, Walmart peut-être. Roland, Champy, s'il s'est réveillé, qu'il a pas trop chaud. Bah y a rien dedans, hein, mais c'est pour mettre de la bouffe dedans, oui. Walmart, parfait, Walmart va tenter. Alors Walmart, écoute, comme d'habitude, je crois que tu as déjà participé une fois. Bah, je t'attends sur mon Discord, donc tu vas trouver bien sûr les descriptifs dans le descriptif de la chaîne. Tu vas trouver le panel Discord, il suffira de cliquer dessus. Ou alors tu cliques sur le lien qui sera à la fin de ce listing. Voilà. Alors, est-ce que tu es arrivé sur Discord, Walmart. Est-ce que tu étais déjà présent quelque part? Je me rappelle plus du tout. Parce que je crois que tu étais déjà venu une fois, hein, Walmart. Ah bah oui, c'est 3PO, oui. Ah bah après, vous arrangez entre vous, hein. Si tu veux que le C3PO, tu gardes le C3PO et après tu t'arranges avec Sky, hein. Ah oui, Chavez, c'est vrai. C'est vrai. Alors, est-ce que tu es connecté? Ah, je ne te vois pas. Salon émission. Alors, QPV en off dans la catégorie émission LCRTV. Ah, voilà, tu es là. Parfait. Si, bon, je te vois. Voilà, je te mets le rôle de participant et maintenant tu peux accéder au salon. Parfait. Est-ce que tu m'entends bien? Bien sûr, on répond toujours sur Twitch. Voilà, parfait. Et donc c'est toi, Naoki, hein, qui ouvre les hostilités cette fois-ci, puisque tu as accès à la totalité des catégories de questions. Donc par quelle catégorie souhaites-tu être interrogé cette fois-ci? Peut-être veux-tu changer? Là, tu as le choix, hein, vraiment, parmi les quatre. Ah, c'est pas toujours de la géographie. C'est pas toujours de la géographie pour ce qui est de la catégorie mystère. Non, il peut y avoir de la contrepétrie. Effectivement, et enfin tout ce qui est contrepétri, donc avec des phrases à la con, hein. Ou de la chimie, et encore la chimie, c'est bah, la contrepétrie en fait, c'est quand tu prends une syllabe d'un mot et tu le mets sur un autre mot, enfin tu changes les deux syllabes et ça te donne une phrase totalement différente. De toute façon, je donnerai un exemple hein, pour que tu puisses bien voir le truc si tu tombes sur contrepétri, hein, bien sûr. Mais après, chimie, c'est assez basique, hein. C'est vraiment tout ce qui est le tableau de référencement des éléments de Mendeleïev. Donc il n'y a rien de tout à fait extraordinaire, hein. Il y a un ou deux trucs, tu savais pas que ça existait. Hein, voilà. Parce que forcément, on n'a pas le tableau périodique des éléments dans la tête, hein, ça c'est logique. Mais j'ai essayé quand même de prendre des trucs qui soient assez faciles à trouver. Voilà. Parce que pour moi, la chimie, c'est pareil, c'est pas mon fort, donc. Mais contrepétri, c'est fortement sympathique. Hein. Donc du coup, tu restes sur la catégorie mystère. Jeux vidéo, ok. Jeux vidéo. Il retente sur les jeux vidéo. En même temps, jeux vidéo.
Tu peux avoir effectivement, hein, comme tout à l'heure, des questions extrêmement faciles, hein, et d'autres qui sont un peu plus chiantes, hein. Et salut à toi, Séchard, comment vas-tu? Donc première question, si tu es prêt, Nao. Moi ça va bien, merci Shark. On y va. Première question. Comment s'appelle le périphérique destiné à la Xbox 360 permettant de contrôler des jeux vidéo sans utiliser de manette? Celle-là est assez facile. Donc c'est un truc hein, qui se foutait au-dessus de ta télé. Hein, ça se mettait au-dessus de ta télé et juste en bougeant en fait, hein, tu pouvais. Non, c'était pas une cam. C'est ça. Enfin, la bonne réponse est apparue copier-coller. La mer noire. Presque. Copier-coller pour Nao. Copier-coller pour Nao. Voilà, la Kinect effectivement. Premier point sur le fil hein, quand même. Mais premier point. On continue. De quelle génération de console la Xbox 360 est-elle issue? Quelle est la génération de console qui appartient? Ce n'est pas la deuxième. Non, 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 ce n'est pas la deuxième génération. Ce n'est pas la troisième non plus. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Non. Non, non, non. Alors c'est pas la dixième, la dixième ça sera peut-être en 2025, hein, allez savoir, mais pour le moment ce n'est pas la dixième. Non, pas la cinquième non plus. Et fin du timer. Et c'est Champi qui a donné la bonne réponse au dernier moment. Donc au début j'ai cru qu'il dormait, hein, parce que j'avais cru qu'il avait mis deux Z. Hein, un Z majuscule, un petit Z minuscule, j'aurais cru qu'il dormait. Mais en fait non, c'était une faute de frappe. Et il voulait mettre la septième, effectivement, c'est la septième. Donc pas Symphonie de Beethoven, qui est très bien d'ailleurs. Mais non, là c'est la septième génération de console. Et oui, c'est la septième génération de console. Sachant qu'à l'heure actuelle, on est dans la huitième, voire bientôt la neuvième qui est en train d'arriver. Donc pas de points pour toi pour cette question-là. Dans Zelda Ocarina of Time, combien de fois faut-il jouer le chant du soleil après avoir parlé à Bigoron pour que celui-ci finisse l'épée? Sachant qu'un chant équivaut à 12 heures. Donc combien de temps faut-il jouer ce truc-là? Donc faut spammer, allez-y, Naoki, n'hésite pas à spammer. Et salut à toi LD5, comment vas-tu? 5, ce n'est pas 5 fois, ce n'est pas 4 fois, ce n'est pas 3 fois, ni 5 fois, ni 10 fois, ni 8 fois, vous allez tous me les faire sauf le bon, ni 8 fois encore une fois, ni 7. 4 secondes, 3, 2, et pas la bonne réponse, c'était 6 fois, vous les avez tous fait sauf le 6. Vous les avez tous fait sauf le 6. Et il suffit, enfin il suffisait, il suffit de jouer hein, 6 fois donc pour que ça fasse 3 jours au total. Voilà, 3 jours. Pour que Bigoron finisse l'épée dans Zelda Ocarina of Time. Dans Super Mario Bros. 3, si le monde 2 représente le désert, que représente le monde 4? Donc ce n'est pas l'Antarctique, ce n'est pas la jungle. Vous voyez plus large. Hein. Là n'est pas la neige, ce n'est pas la montagne. La montagne, on n'est pas bien loin quand même. C'est grand une montagne. Là n'est pas la plage. Ce n'est pas le ciel. Non, mais vraiment, c'est pour indiquer. C'est pour donner un indice, hein, le désert. Hein. C'est vraiment pour resituer pour ceux qui ont fait le jeu. Pour qu'ils puissent se rappeler. Donc ce n'est pas la rivière, ce n'est pas la glace, ce n'est pas la campagne, ce n'est pas l'Égypte non plus. Ce n'est pas les nuages, bien que. Ce n'est pas le volcan, ce n'est pas le tunnel, il reste une seconde et c'est fini. C'était le monde des géants. C'était le monde des géants. J'ai bien dit que quand j'ai indiqué le monde 3 hein, représente le désert. C'est pas pour que vous recherchiez quelque chose de ce genre-là, c'est pour vous resituer dans le jeu, hein, pour vraiment vous dire, ok, on a ça, et après il se passe quoi? Pour que ce soit un moyen mnémotechnique. Malheureusement, c'était. Ouais, oui, celle-là est assez dure, j'en conviens.
On continue, toujours dans la catégorie jeux vidéo, et c'est cette fois-ci la dernière question. En quelle année arrive la Super Famicom au Japon? Alors, ce n'est pas en 94. Donc, je rappelle que la Famicom, c'est enfin, la Super Famicom, c'est la Super Nintendo hein, qui est arrivée en France en 91, si je dis pas de bêtises. Donc, il faut trouver quand est-ce qu'elle arrive au Japon sous le nom de Super Famicom. Donc, ce n'est pas en 93, ce n'est pas en 86, ce n'est pas en 91 non plus. C'est en 97. 2 points pour toi, Nao. Très bien joué. Effectivement, c'est en 1990 que la Super Famicom arrive au Japon. Elle arrivera donc l'année d'après en France sous le nom de Super Nintendo. Et en 92-93, les inconnus vont nous faire ce magnifique film, hein, bien entendu, où il y a une lavande d'une Super Nintendo. C'est à toi, Sky, quelle catégorie de questions vas-tu choisir parmi les trois qu'il te reste? Tu restes en antiquité et en mythologie. Eh bien, je ne peux que t'en féliciter. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe. Ah bah dis donc, bien, on va avoir du nordique. On va avoir de la mythologie nordique, intéressante. Très intéressant. On est parti. Quelle période romaine voit parmi ses dirigeants Romulus ou la dynastie des Tarquins? Non, ce n'est pas la Renaissance. Quelle période romaine voit parmi ses dirigeants Romulus ou la dynastie des Tarquins? Quelle période romaine voit parmi ses dirigeants Romulus ou la dynastie des Tarquins? Non, 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 je veux une période. Il y a trois grandes périodes à Rome, enfin dans la Rome antique, trois grosses périodes. Donc les origines, qui sont une royauté, la République et l'Empire. Donc, quelle période romaine voit parmi ses dirigeants Romulus ou les Tarquins? Et ce n'est pas l'Empire, hein, ce n'est pas l'Empire, ce n'est pas Dark Vador non plus. La Reconquista. Pas de bonne réponse. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quelle période Romulus et Rémus hein, sont-ils liés? Ou Tarquin l'Ancien et Tarquin le Superbe, à quelle période sont-ils liés par rapport à Rome? Et oui, ce sont des rois, effectivement, Champi, c'est la royauté. On est dans la royauté romaine, effectivement. La royauté qui a été chassée par un certain Marcus Junius Brutus, hein, d'ailleurs. Voilà, donc pas le même hein, qui a tué César, hein, mais son ancêtre. Hein, voilà. Romulus, ouais, premier roi de Rome, effectivement. On continue. À quel siècle débute le christianisme? Bah en zéro, c'est pas un siècle. Et oui, là par contre, effectivement. Sky, voilà, premier siècle, c'est bien joué. Donc c'était la deuxième question, t'avais pas trouvé, donc là c'est bon, t'as un point. Oui, c'est effectivement au premier siècle hein, de notre ère qu'apparaît donc le christianisme. Même si les faits, dans les dates hein, qu'on connaît, en tout cas, ça pourrait être avant. Mais bon, vu la question, on parle, hein, je dis bien, débute le christianisme, c'est-à-dire vraiment le développement de la religion, quoi qu'il en soit, on reste au premier siècle, donc ça va. Ouais, toujours plus 1, effectivement. On arrive chez les Vikings. Dans la mythologie nordique, quelle déesse est l'épouse de Odin, mère de Thor et déesse de la terre? Ce n'est pas Lagertha. Ce n'est pas Ondine. Encore un peu plus de 15 secondes. La mère de Thor. Ce n'est pas Bertha, ce n'est pas Peta, sauf avec une gastro. Ce n'est pas Janssen, ce n'est pas Frida, ce n'est pas Freya, ce n'est pas Frigg. Pas de bonne réponse, pas de bonne réponse. Non, Siegfried, c'est un mec. Donc l'épouse d'Odin, mère de Thor et déesse de la terre, se nomme dans la mythologie nordique Yord.
J-O-R-D, Yord. Ah bah après oui, il était peut-être au mode, hein. C'est possible. Ça, quand t'es Dieu, t'es pas regardant, hein. C'est possible, c'est possible. On continue. Dans la mythologie nordique, comment s'appelle le dieu de la paix et de la fécondité? Et ce n'est pas Odin. Dieu de la paix et de la fécondité. Ce n'est pas Floki. Ce n'est pas Pessa. Ce n'est pas Heimdall. Ce n'est pas Chris Kroll. Ce n'est pas Ikea. Ce n'est pas Loki. Et la bonne réponse est apparue. 4 secondes pour faire un copier-coller. De 1, trop tard. Ah, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Effectivement, c'était Freyr. Freyr, qui n'est pas une fille hein, d'ailleurs, hein, qui est un mec. Hein. Freyr, c'est un dieu. Hein, c'est pas une déesse, c'est un dieu, Freyr. Et oui, Freyr, divinité de la paix et de la fécondité. Bah, bravo en tout cas, Costa, pour la réponse. Sky, malheureusement, désolé, hein, désolé, vraiment, vraiment, la seconde venait de s'écouler. Vraiment, pas de bol. Et dernière question. Quel est le nom du javelot qui était utilisé par les légionnaires romains? Donc le truc qu'on balançait hein, sur l'ennemi que Jules César a largement adapté pour qu'il ne puisse pas être réutilisable, ce n'est pas une lance. La bonne réponse est apparue et une pointe non plus. Non mais la bonne réponse c'est voilà, le pilum, effectivement. Le pilum, 2 points pour toi également, Sky. C'est pas mal du tout. 2 points. Et c'est à toi, Walmart, quelle catégorie de questions veux-tu choisir parmi les deux qu'il te reste? Tu as encore le choix entre l'histoire et la catégorie mystère. Mystère, mystère. Et là, tu vas tomber sur la catégorie mystère. Tu vas tomber sur de la contrepétrie. La catégorie qui déchire sa race. La catégorie contrepétrie. Donc là, pas de timer. C'est du vrai ou faux. Il faut juste me dire si c'est une contrepétrie ou si ce n'est pas une contrepétrie. Donc je vais quand même donner un exemple. Hein, tout simplement. En gros, si je dis ces soupers manquent de pain, est-ce une contrepétrie ou pas une contrepétrie? D'après toi, est-ce en est-ce une ou pas du tout? Effectivement, c'est une contrepétrie parce qu'avec ces soupers et manque de pain, on peut changer hein, 2-3 bricoles à l'intérieur et ça donne ces poupées manque de sein. Et voilà. Et effectivement. Voilà ce qu'est une contrepétrie. Donc ouais, c'est très très rigolo. Parce qu'il y a des petites phrases qui méritent quand même le fait qu'on s'y attache. On est parti. Ça va, Walmart? T'as compris à peu près le concept? Si t'arrives à dire une autre phrase avec, c'est que c'en est une. Si je dis j'adore les filles en culotte et en corset, est-ce une contrepétrie ou pas? Est-ce vrai ou faux? Eh ben non, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'avec j'adore les filles en culotte et en corset, on peut dire j'adore les filles enculées et encore sottes. J'adore. Ah putain, je kiffe ces questions. Je les kiffe ces questions. On continue. Donc pas de points hein, du coup d'ailleurs, faut peut-être que je remette le truc à zéro. On continue. Si je dis le petit chat s'amuse dans la rue, est-ce une contrepétrie ou pas? Oui, premier, bah effectivement, ça, c'en est pas une. Très bien joué. Ça, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Effectivement, bien vu. Si je dis maintenant, taisez-vous en bas, est-ce une contrepétrie ou pas une contrepétrie? Et oui, c'est vrai, effectivement, parce qu'on peut dire baisez-vous en tas. Taisez-vous en bas, baisez-vous en tas, effectivement.
On continue. Elles sont en train de me foutre en PLS, ces questions. On continue. Elle a le choix dans la date. Vrai ou faux? Est-ce une contrepétrie ou pas? Elle a le choix dans la date. Eh ben oui, bien sûr que c'est vrai, puisque avec ça, voilà, on peut dire elle a le doigt dans la chatte. Tout à fait. Troisième point pour toi. Et dernière question. La salade de fruits manque d'ananas. Vrai ou faux? Et non, là c'était faux. C'était faux. On ne peut pas faire grand-chose avec cette phrase-là, malheureusement. Non, non, là ce n'était pas une contrepétrie. Cela dit, ça aurait été sympa. Hein. Je pense qu'il y a peut-être moyen, en changeant un peu les mots, d'avoir un truc fortement sympathique. Mais en tout cas, Walmart, eh bien, avec tes 3 points, et du coup, c'est toi qui vas en finale. Avec Costa, eh ben on va remettre les scores à 0 et on va commencer la troisième manche dès qu'on aura nos participants. Sky, Naoki, est-ce que vous voulez toujours participer? Donc Sky laisse sa place. Allez, Nao, il reste. Parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? Allez, Champi, ça y est, il est lancé, Champi. Champi, ça y est, il est chaud. Hop, je t'accorde le rôle. Voilà, nickel. Ah mais on s'en fout, toi c'est un peu culturel, machin, mais en même temps on raconte des conneries, c'est aussi là pour ça, on est là pour s'amuser avant tout. Allez, un petit dernier participant, est-ce que quelqu'un veut venir tenter sa chance? Je rappelle qu'il y a à gagner pour le finaliste, en tout cas pour celui qui aura bon, remporté la finale, il y a la figurine pop de C3PO, il y a également un porte-clés Serpentard et une lunchbox Harry Potter, et bien entendu une des clés Steam pour les deux autres finalistes. Donc là, il suffit juste d'accéder à la finale pour pouvoir déjà repartir avec quelque chose. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance? Ah voilà, il est arrivé, champi. Du coup, il nous manque toujours un troisième participant. Est-ce que quelqu'un veut venir jouer? Je sais pas si c'est Shark qui est encore là. S'il est encore là, bah, il sera le bienvenu. Roland, je vois qu'il est toujours là. Donc s'il veut participer, il sera bien entendu le bienvenu aussi. Et j'invite, hein, bien sûr, par politesse, hein, j'invite les bots, hein, aussi, hein, de Twitch, à venir, hein, faire venir leur créateur. Hein, ça peut toujours être utile. Hein, Parce que c'est bien beau de surveiller les chaînes et tout, mais s'ils veulent jouer, hein, ils ont le droit également. Hein, D'ailleurs, à propos des boîtes, je crois que c'est. Je sais plus, j'ai oublié l'année, hein, quand ça s'était passé. Ils avaient balancé un bot anodin, hein, sur Twitter, et le bot en 24 heures était devenu néo-nazi. Ils ont fait une intelligence artificielle au truc, ils l'ont balancé sur Twitter. Et bah, en gros, il répondait à des conversations et tout, suivant des algorithmes, etc. Et en 24 heures, le bot tenait des propos de nazis, quoi. Limite, il citait pas Mein Kampf. Hein, Donc, du coup, ils ont vite enlevé ce bot. Ouais, voilà le point Goodwin. Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Enfin, LGBT encore, ça va, c'est pas. Non, non, ça va. Non, là où. Non, non, il serait un féminazi plutôt. LGBT, c'est pas faire tout à fait le féminazi, c'est pas la même chose. Il y a des ex. Ouh, il y a eu un truc qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Merci pour le sub. Ouh là, un sub qui m'a sub. Oh merci Abby pour le sub. Et bah écoute, je te passerai, hein, je te passerai l'enveloppe cadeau des subs. Hein. Ah bah non, c'est le resub. Non, c'est un sub, c'est un sub. Attends, oui non, t'étais déjà, oui t'étais déjà sub. Ouais, non, j'ai rien dit Abby. En tout cas, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Ah c'est pour les, ouais c'est le resub. Ouais. Me rappelais plus. Voilà, habille 2 mois. Encore 1 mois et t'as le nouveau casque, hein, le casque avec la crête blanche, avec le cimier blanc, tu vois. Enfin, comme j'ai dit, ça ne sert à rien. C'est des badges à la con, ça sert à rien. Mais... Ouais, le petit casque, là, c'est l'impérial impérial gaulois de type F ou G, là, je sais plus lequel. Du coup, il reste toujours une place hein, pour cette troisième et dernière manche avant la finale. Est-ce que quelqu'un veut participer? C'est toujours ouvert. Alors. Ouais, c'est ouais, c'est voilà, c'est ça, ouais, comme tu dis, c'est swag, ça sert strictement à rien, c'est juste. Ah oui, Abby va participer. Je veux partout zé, mais pas participer. Mais pas je veux partout zé. Bon, ça veut dire quoi, que tu veux participer et après on fait tous une orgie ou comment ça se passe? Ah bon. Ah non, mais t'es pas obligé de parler, hein. Je rappelle que c'est par écrit. Hein, c'est même pour la finale, hein. T'es pas obligé de parler, Abby, hein. Oui, je veux pas savoir comment t'as fait pour avoir des grosses douleurs dans la mâchoire. Hein. Ceci ne nous regarde pas. Hein, parce que si on accorde hein, cette dernière phrase avec je veux partouzer mais pas participer, c'est très ambigu hein, de nous dire que t'as mal à la mâchoire hein, quand même. C'est très très ambigu. Hein. Ah oui, quand même. Bah tu vois, c'est le palais, tu t'es hérité le palais. Ou t'as une dent qui bouge. Regardez-les les deux là, Costa et Sky qui sont en train de se mettre d'accord là. Ouais, si je gagne, tu vas voir, je vais te passer le truc. Ça veut dire, bah écoute, hein, pour les questions, tu vas vite aller sur Google. Hein, hein, c'est implicitement. Hein. Voilà. Ou alors, on fait la dernière manche à deux, hein, ça marchera aussi très bien, hein, y a pas de problème. Ah bah oui, la contrepétrie, oui, bien sûr. C'est contrepétrie. Puis même la géographie, hein, avec le Boukistan, voilà, faut que j'en trouve d'autres d'ailleurs, des comme ça, parce que c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, allez, à Bigorre, il veut bien. Du coup, Abib, bah, je t'attends hein, sur Discord. Voilà, tu es là. Voilà, maintenant tu peux venir. Donc nous avons nos 3 participants. On va attendre qu'Abib nous rejoigne. Sur Discord, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, est-ce que tu m'entends bien? Bien sûr, tu réponds sur Twitch, hein.
Parfait. Donc Naoki, c'est à toi. Quelle catégorie de questions veux-tu choisir? Ah bah n'importe, n'importe, c'est toi qui choisis, hein, c'est. C'est toi qui choisis parmi antiquité, mythologie, la catégorie mystère pour aujourd'hui, histoire et jeux vidéo. Ah, antiquité, mythologie, très très, mais alors vraiment très 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 bon choix. Donc bien entendu, je ne dis pas ça hein, parce que c'est ma catégorie préférée, hein, bien sûr. Parce que c'est quand même ma spécialité à la base. Mais très bon choix. Hein, très très bon choix. Eh bien écoute, si tu es prêt. Si tu es prêt, je propose qu'on puisse commencer. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme petit truc? On a encore du nordique et puis du grec et de l'égyptien. Ça va, on a un peu de tout là. Et même du celte, dis donc. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Donc si tu es prêt, Nao, on y va. Donc j'attends bien sûr que tu me dises que tu sois prêt, hein, que je lance pas une question et que tu me dises après, voilà, je t'entends pas trop. Ok, c'est parfait. Dans la mythologie égyptienne, quelle déesse est à la fois la sœur et l'épouse d'Osiris? C'est assez simple. Enfin, dès que le timer se sera lancé. Hein. Ah, qui est parti? Ah, c'est Sky. C'était des ch'tis, effectivement, parce que même l'Égypte a un or, je suis tout à fait d'accord. Oui, Champy a donné la réponse. Fais un copier-coller dans les 15 secondes qui suivent et tu as ton point. Et oui, Isis. Effectivement, c'est la déesse Isis. Donc, épouse et sœur donc d'Osiris, mais également de Seth et de Nephthys. Voilà. Enfin, pas épouse, mais au moins sœur. On continue. Quelle reine d'Égypte descendante de la dynastie des Ptolémées s'allie à Marc-Antoine pour la bataille, lors de la bataille d'Actium? Nous sommes en 31 avant Jésus-Christ. Grande reine d'Égypte. Grande reine d'Égypte qui s'allie à Marc-Antoine pour combattre Octave Auguste et Marcus Vipsanius Agrippa. Amiral de son état. Champy a donné la bonne réponse. Et oui, deux fois la bonne réponse. Ce n'était pas la portugaise. 2 secondes. Et non. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, Nao, malheureusement trop tard. Mais effectivement, c'était Cléopâtre, c'était Amphilopator, ou Cléopâtre, hein, tel qu'on la connaît. Effectivement, c'était Cléopâtre, qui d'ailleurs mourra non lors de cette bataille d'Actium, mais lors de la bataille de, j'attends, hein, pour savoir si vous avez. Lors de la bataille d'Alexandrie qui se tiendra donc aux portes d'Alexandrie et qui verra encore une fois la victoire pardon d'Octave Auguste. On continue. Dans la mythologie nordique, quel est le dieu de la poésie et de l'éloquence? Oui, face à Claude François, effectivement. Ce n'est pas Odin. Quel est le dieu nordique de la poésie et de l'éloquence? Ce n'est pas Freyr, puisque Freyr, on vient de le dire tout à l'heure. C'est la fécondité, frayeur. Ce n'était pas Charles Bukowski ni Dionysos, puisque Dionysos, c'est grec. Pas Hercule. C'était Bragi. Bragi, Bragi. Bragi. Voilà, ou Bragi, hein, suivant comment on veut le prononcer. Oui, non, oui, ils ont des noms un peu à la con. Hein, mais bon. Et on continue dans la mythologie nordique. Quel est
le dieu aveugle de la nuit. Dragibus, voilà exactement. Bon moyen mnémotechnique. Il lit d'un hurle. Non, non, Abby, c'est pas lui. Là, j'avoue que ces questions sont un petit peu. Non, ce n'est pas. Bah, ça aurait pu être ces sites, et c'est pas con d'ailleurs d'y avoir passé. Ça aurait pu être une réponse à la grecque. Mais malheureusement, c'est pas ça. C'est Odur. Odur, qui est la divinité, donc le dieu aveugle de la nuit. Et dernière question, qui sera du coup. Allez, j'hésite. C'est la dernière. Ah, je te donne le choix. Du celte ou du grec? Allez, Nao, du celte ou du grec? Du grec. Dans la mythologie grecque, quelle déesse, fille de Zeus et de Métis, est la déesse de la sagesse et de la guerre? Et qui a un hibou, hein, avec elle. Elle a un hibou en symbole, un bouclier, et apparaît effectivement dans Senseiya. Si avec tous ces indices, tu ne trouves pas, je sais pas ce qu'il te faut. Et bah c'est pas Athéna niquée, hein, mais ça c'est un temple quand même, je le rappelle. Après, elle a dû se faire sauter quand même dans un coin, mais là pour le coup c'était pas. Mais bah, c'est pas vrai que t'as pas fait copier-coller? C'est pas vrai? Oh, un point, Nao, malheureusement, tu n'as pas fait le copier-coller d'Athéna. Oui, déesse de la sagesse et de la guerre chez les Grecs, c'est Athéna, son homologue romaine étant Minerve. Et oui, et salut à toi, Pétaf, comment vas-tu? Et c'est donc à toi, Champi, quelle catégorie de questions souhaites-tu? Parmi les trois qui restent. Je ne connais pas chez. De chez Nîmes, tiens. Oui, effectivement, Pétaf, on le connaît de chez Nîmes. Tout à fait, tout à fait. Alors, du coup, Champi, quelle catégorie de questions? Bah oui, t'as plus mythologie pour le coup. Il te reste la catégorie mystère, histoire ou la catégorie jeux vidéo. Histoire, bien sûr, histoire, très bonne catégorie également. Très amusante aussi. Enfin, plus ou moins, hein, pour ceux qui aiment bien. Est-ce que tu es prêt? Je regarde un petit peu ce que t'as là. Moi, c'est pas mal. On y va. En quelle année se déroule la révolution russe? En quelle année se déroule la révolution russe? Eh non, Walmart, ce n'est pas en 17. Ce n'est pas en 17. En 19, ce n'est pas en 14. Ce n'est pas en 13. Ce n'est pas en 18. Là encore une fois, ils vont me faire toutes les dates sauf la bonne. Ce n'est pas en 21, ce n'est pas en 12, ce n'est pas en 20. Enfin, ça n'a pas été en 20 d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas en 1, hein, quoi. En 1990, oui, non, oui aussi, ouais. Enfin, en même temps, non, c'était en 91, hein, la chute du mur de Berlin étant le 24 décembre 1980. La chute du mur, la chute de l'Union soviétique étant le 24 décembre 1991. On peut aussi dire, bon, ça peut être une date, oui. Effectivement, mais là en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai fait moi? Mais en l'occurrence, c'est pas du tout la bonne réponse, puisque la bonne réponse, c'était 100 ans avant ce que dit Abigor avec son 2017. C'était en 1917, voilà, du 8 mars au 8 novembre 1917 que se déroule la révolution russe. Alors, truc. On savait, hein, bien sûr, qu'ils ont tué les Roumanov, enfin la dynastie des Roumanov, sans être sûr des corps qui avaient été retrouvés. Hein, voilà. Oui, enfin, oui, presque tous les Roumanov. Il y a 2 mois de ça, donc suite à des analyses qui avaient été faites, hein, donc sur les corps qui avaient été retrouvés, hein, et l'évolution de la science aidant, hein, on a enfin pu, hein, déterminer, et ils ont annoncé il y a environ 2 mois de ça, que les corps retrouvés à ce moment-là sont effectivement bien ceux de la famille Roumanoff. Donc là, c'est clair et net, on a les corps de la famille Roumanoff que jusque-là, on ne pouvait que le supposer. On continue.
À quelle date le général de Gaulle lança-t-il un appel depuis Londres durant la Seconde Guerre mondiale? Alors ce n'est pas en 44, ni en 62, ni en 41. Alors, si on peut me donner la date exacte encore, champi, ce serait même mieux. Et ce n'est pas le 8 juin. Le 8 juin, c'est quand je suis né, ça n'a rien à voir. Et c'est pas en 45. Là, franchement, champi, tu me déçois. Le gars, il te sort des noms de déesses celtes que lui seul est capable de se rappeler. Mais il ne se rappelle pas d'une date comme ça. Non, le 8 mai 45, c'est la victoire. Ça n'a rien à voir. Je veux le jour de l'appel du général de Gaulle. Le 8 mai 45, c'est la fin de la Seconde Guerre. On s'en fout, c'est pas la question. C'était l'appel du 18 juin, effectivement, 1940. Merci, Costa. Champi, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Je ne sais pas quel autre mot je peux choisir, c'est pas possible. On continue avec cette troisième question. Quel empire Soliman le Magnifique a-t-il dirigé au XVe siècle? Très bonne réponse, Walmart, effectivement, et bravo à toi, Champi. C'est en effet l'Empire ottoman qui fut dirigé au XVe siècle par Soliman le Magnifique. On continue, quatrième question. De quel roi de France le cardinal de Richelieu fut-il le principal premier ministre? Pépin le Bref. Bon, c'est honteux. Walmart, Pépin le Bref. Richard Cœur de Lion. Champia, heureusement, s'est rattrapé de son 18 mai 1972, là, avec un Louis XIV, hein, bien sûr. Alors, il a été effectivement le principal premier ministre de Louis XIV juste avant l'arrivée de Mazarin, ce qui est arrivé lorsque Louis XIV était déjà adulte, presque adulte en tout cas. En revanche, il a été, Richelieu, le principal premier ministre de Louis XIII, mais j'accepte également Louis XIV parce qu'il était toujours premier ministre au moment où Louis XIV a pris la place de son père. Voilà, donc à peu près lors de la bataille de Rocroi en 1538, si je dis pas de bêtises. Donc j'accepte quand même le point. Mais je devrais peut-être pas. Parce qu'il y a quand même ce 18 mai, 19, enfin 8 mai 1945, hein, pour me donner l'appel du 18 juin, quoi. C'est quand même assez exceptionnel. Mais il a pas. Alors Richelieu n'a pas été premier ministre de Louis XIV très très longtemps, hein, parce qu'il est mort peu de temps après le roi Louis XIII, hein, d'ailleurs. Il est mort très peu de temps après, mais effectivement, il a été pendant une courte période le principal premier ministre du roi de France, Louis XIV. Même si effectivement, j'aurais plutôt préféré avoir la réponse de Louis XIII, mais c'est pas grave. Dernière question. Quelle bataille débutant en juillet 1942 et se terminant en février 1943 fut une victoire de l'armée russe face aux nazis. Avec le général von Paulus du côté allemand, effectivement. Non, ce n'est pas le traité de Maastricht. Mais effectivement, c'est la bataille de Stalingrad et 4 points pour toi, Champi. Et je ne sais pas comment t'as fait, parce que avec un 8 mai 45 pour l'appel du 18 juin, j'avoue que je me pose des questions et ça va te rester. Ça va te rester. L'appel du 18 juin, c'est le 8 mai. Bien entendu, champi. Mais tout à fait, tout à fait. Écoute, je t'appellerai le 12 janvier, hein, mais ce sera pas avant le mois de juillet, d'accord? On fait comme ça. Là, franchement, c'est exceptionnel. Merci, champi, tu me vends du rêve. Merci, champi. Et c'est à toi, Abby, quelle catégorie de questions veux-tu choisir parmi les deux qu'il te reste? Figure-toi que j'y ai pensé à un moment donné, mettre le porno dans la catégorie mystère, parce que c'est quand même très intéressant aussi. Ah oui, non, mais complètement. Du coup, Abby. Allez, bah, mystère alors. Mystère pour Abby. La catégorie mystère. Et cette fois-ci, la catégorie mystère, c'est de la chimie.
Fallait bien que ça tombe, hein. Fallait bien que ça tombe de la chimie. Donc, est-ce que tu es prêt? Bon, alors déjà, il y a deux règles. Je suis pas convaincu que tu puisses les avoir. Enfin, à moins que tu sois réellement, enfin, calé en chimie, mais ça marche. Donc, on y va. Quelle règle chimique est lorsque les atomes du numéro atomique inférieur ou égal à 4 évoluent de manière à avoir deux électrons sur leur couche électronique externe. Donc là, c'est la couche électronique externe, la couche K. Hein, voilà. Bonne chance, hein, bon courage. Ça, c'est. Enfin, j'ai deux questions de merde, hein, dans la chimie, tu les as. Non, 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 c'est une règle. Quelle règle chimique est lorsque les atomes du numéro atomique inférieur ou égal à 4 évoluent de manière à avoir deux électrons sur leur couche électronique externe, la couche K? Je veux le nom d'une règle chimie. Et non, pas de bonne réponse. Est-ce que quelqu'un a cette bonne. Ce n'est pas la règle de Mendeleïev, ni la règle de 3. Ça aurait pu, cela dit. C'est la règle de Duhette. Duet, monsieur Duet, hein. Quelqu'un qui devait avoir des loisirs très passionnants, d'ailleurs, dans la vie, hein, pour inventer des règles de ce genre. Donc, ça, c'était la règle de Duet. On continue, c'est donc la deuxième question de merde. Je m'excuse par avance, hein, mais tu tombes dessus, tu tombes dessus. Quelle règle chimique est lorsque les atomes du numéro atomique supérieur ou égal à 5 évoluent de manière à avoir 8 électrons sur leur couche électronique externe, la couche L et M? Là, encore. Ah ben, champion a la bonne réponse, donc si tu fais un copier-coller, tu peux avoir le point. La couche du pote de Duet. Effectivement, c'est la règle de Octet. Donc voilà, un premier point pour toi. C'est déjà pas mal, ils avaient des potes, hein. Ils étaient au moins copains les deux, quoi, tu vois. Duet et Octet, ils étaient contents, ils se voyaient de temps en temps, ils inventaient des trucs à la con. Allez, on continue. Quel élément du tableau périodique des éléments désigne-t-on par le symbole grand E petit r? Ouais, c'est ça, c'était leur délire. Oui, effectivement, l'erbium, très bien joué. Deuxième point pour toi, Abby. Erbium. Oui, ah bah ça, hein, je me doute, hein, bien sûr. Quel élément du tableau périodique des éléments désigne-t-on par le symbole grand H petit g? Et ce n'est pas l'hélium. Je n'ai pas l'hélium, ni l'ergon, ni l'argon. C'est la bonne réponse de Champy. Copier-coller. Et effectivement, c'est le mercure. Mercure. 3 points pour toi, Abby. Et dernière question. Quel élément du tableau périodique des éléments désigne-t-on par le symbole grand C petit o? Ce n'est pas le carbone, grand CO. Effectivement, c'est le cobalt. Et 4 points, donc question subsidiaire entre Champy et Abby. Question subsidiaire que je vais aller piocher au pifomètre. Là, hein, j'ai pris vraiment la première qui passe. Ah bah du coup, ce sera peut-être pas celle-là, parce que à mon avis, il y aura d'autres questions subsidiaires. Enfin, en même temps, je crois que ça pourrait être le cas, hein, donc je vais quand même pas trop tenter le diable. Qu'est-ce qui me reste en question, hein? Mythologie japonaise, vous êtes fort en mythologie japonaise? Bon, allez. Donc ce sera pas une mythologie japonaise, ce sera plutôt celle-ci. Celle-ci qui est assez intéressante. Antiquité, mythologie. Comment se surnomme, donc là il n'y a pas de timer, hein. C'est le premier qui me donne la réponse, tous les coups sont permis. Le premier qui donne la réponse entre Abby et Champy va en finale. Comment se surnomment eux-mêmes les sénateurs complotant contre Jules César? Les méchants, les conscrits, les beaux gosses, les républicains, pas tout à fait, pas tout à fait Walmart.
Les comploteurs. Disons que c'est eux hein, qui s'appellent de cette manière-là. Donc ils vont pas s'appeler les comploteurs. Ils vont. Voilà. Hein. Donc ils s'estiment être effectivement républicains. Et c'est Champy qui l'a effectivement, les libérateurs, tout à fait. Les libératores. Les libérateurs. C'est donc Champy qui va en finale. Libératores. C'est Champy. Bien joué, Champy. Donc est-ce qu'on se fait tout de suite la finale? Ou est-ce que vous avez besoin, hein, messieurs les finalistes, d'une petite pause, hein, histoire de faire ce que vous avez à faire, hein, si vous avez envie de chier, allez chier, si vous avez envie de pisser, allez pisser, si vous voulez vous faire un café, faites-vous un café. Si vous avez envie de rien foutre, eh ben vous pouvez rien foutre également. Hein, vous avez le droit hein, de vous reposer hein, mentalement, pour vous préparer psychologiquement pour cette finale. Bah si je lance une pause, tu as 7 minutes hein, en fait, hein, un peu moins de 7 minutes en gros. Hein, donc c'est toi qui vois, c'est toi qui vois. Si tu te sens capable de tout faire en 7 minutes préliminaires inclus, c'est toi qui vois, Abigor. Je ne m'avancerai pas. Ouais, apparemment il n'y a que Costa qui. Ah ouais, ça. Ouais. Du coup, on fait une pause ou pas? Comme vous. Et merci beaucoup pour le follow, Pétaf. Merci beaucoup. Allez, une petite pause, c'est parti. En même temps, ça fera comme ça la pub pour les copains, c'est bien, c'est bien. Donc, on se retrouve dans 6-7 minutes, hein, en gros, pour la finale. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always. Ouais, les jeux vidéo me font pas peur. Oh, putain, ta mère.
Hey Gaspard, tout à l'heure je suis sur Facebook et on n'a pas d'amis quoi. Ce serait peut-être temps qu'on se fasse des copains. Hein. Ou les copines. Voilà, donc après cette petite page de publicité pour les copains, donc petite finale entre Costa, Walmart et Champy. Finale, d'accord, en plus Walmart hein, on a mis les pieds dans les grands plats et ainsi de suite, hein, puisqu'il a réussi à se brosser les dents tout en allant chier pour justement ne pas nous faire attendre. Et il est très efficace, effectivement, très très efficace, Walmart, très efficace, j'aime beaucoup. Donc, du coup, on va faire le quiz hein, de la mort. On est donc parti pour cette finale. Costa, Walmart, Champ, est-ce que vous êtes prêts? Oui pour Walmart, oui pour Costa. Il reste plus que Champy. Champy, est-ce que tu es prêt? 5 sur 5, comme papa sur maman. C'est parfait. Donc on y va. Catégorie histoire. On est bien sûr dans des questions qui sont un petit peu plus difficiles quand même maintenant. Puisque c'est la finale quand même. Hein. Voilà. Donc pareil, hein, timer. Sauf que là, c'est tout le monde. Le premier qui donne la bonne réponse marque le point. Durant la guerre de 30 ans, en quelle année l'armée espagnole commandée par Francisco de Melo fut-elle défaite par l'armée française hein, de Louis de Bourbon, dit le Grand Condé, lors de la bataille de Rocroi? Alors ce n'est pas en 1613. D'ailleurs, oui, je m'étais planté moi tout à l'heure en disant la date. En même temps, c'est pas ma période préférée, ça. Mais bon. Oui, bien, Walmart, effectivement, c'est en 1643. C'est même exactement le 19 mai 1643 que le Grand Condé va foutre une branlée à Francesco de Melo. D'ailleurs, grâce aux mousquetaires. Hein, un truc à savoir, c'est grâce aux mousquetaires qui avaient des armes qui pouvaient être rechargées par l'arrière et non par le canon, hein, comme avaient encore les Espagnols à ce moment-là. Catégorie maintenant, antiquité, mythologie. Ah oui, bah là vous pouvez mettre les GG parce que ouais, franchement, c'est impressionnant, 1643, ouais. Dans la mythologie grecque, quelle femme donne naissance au Minotaure après s'être unie à un taureau? Donc déjà, c'est une grosse cochonne, hein, on est bien d'accord. Donc ce n'est pas Thésée, hein. Thésée, c'est... ça n'a rien à voir. Pandore non plus. Ce n'est pas Tétis. Donc quelle est la maman du taureau? La maman du taureau... Ouais, du Minotaure, quoi, c'est un taureau quand même. Ça a dû être une orgie quand même assez particulière, hein, je dois bien l'avouer. Ça a dû être très très bizarre quand même. Pas de bonne réponse cette fois-ci. C'était... Oui, Walmart, effectivement, c'était Pacifae. Mais malheureusement, en dehors du timer, donc pas de points. Mais ouais, je me doute hein, que c'était googlisé. Mais voilà, c'est donc Pacifae. Dans la mythologie grecque, quel surnom signifiant « enfant de Zeus » les jumeaux Castor et Pollux portent-ils? Non, le manège enchanté. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas The Sun. Ce n'est pas Geno.
Dickinson. Non, ça ce sont des rasoirs. Ce n'est pas Zebdon, ce n'est pas Gémeaux. Ah, ça, on sait que c'est des Gémeaux. Hein. C'est les Gémeaux Castor et Pollux. Des jumeaux, pardon. Non, c'est des... non, c'est pas les Dénaïdes. Ah, quoique les Dénaïdes, on n'est pas très loin, effectivement. Pas de point non plus. Dénaïde, je pourrais presque l'accepter parce que finalement, c'est une dérive du mot exact que je cherchais. C'est les Dioscures. Les Dioscures. Catégorie jeux vidéo maintenant. Donc pas de points pour la question précédente. Catégorie jeux vidéo. Quel appareil permet dès 1981 aux ordinateurs de communiquer les uns avec les autres? Et ce n'est pas le micro. Ce n'est pas Internet. Internet n'est pas un appareil. Il fallait un appareil pour pouvoir connecter l'ensemble. Ce n'est pas le Minitel. Ce n'est pas la webcam. Ça n'existait même pas encore. Il y a un truc qui existait et que qu'on utilise toujours d'ailleurs. Ce n'est pas le câble Ethernet. Non, vous êtes trop récent. Ce n'est pas le réseau. Oui, effectivement, Champy, c'est le modem. Le modem acoustique, effectivement. C'est le modem qui permettait à un ordinateur de discuter avec un copain à lui. On continue toujours dans la catégorie jeux vidéo. En 1965, Digital Equipment Corporation, DEC hein, pour faire plus simple, lance le PDP-8, le premier mini-ordinateur. Combien pèse ce premier mini-ordinateur? Quel était le poids, hein, la masse hein, de cette saloperie? Ou vous pouvez monter, vous pouvez encore monter. 300 kg, ça fait beaucoup hein, quand même. Une tonne, ça fait énorme. 30 kg, on est déjà plus dans la réalité, mais il en manque. 50, on est encore un peu plus dans la réalité, mais il en manque encore. 40, on se rapproche. Alors, à savoir qu'il faisait 32 kg de mémoire, hein, le truc. 45 pour Champy, bien. Ah, Costa l'a dit avant. 45 pour Costa, Champy l'a dit avant. Costa l'a dit avant, Champy, pardon. Donc, effectivement, 45 kg. 45 kg, un micro-ordinateur. Donc, disons qu'avoir, à moins que d'avoir un sac à dos en plomb renforcé en adamantium, il était assez difficile de transporter ce genre de truc. On continue, on est toujours dans les jeux vidéo pour le moment, donc on va y rester. Quel nom porte le projet de casque de réalité virtuelle pour la PS4 lors de son développement? Lors du développement, pas la VR. Le nom du projet, quand la VR, hein, qu'on connaît actuellement, était en développement, ce n'était pas l'Oculus. Non, c'était pas le projet VR, c'était pas le projet Rift. Oui, Costa, c'était le projet Morpheus, effectivement. Projet Morpheus. Ouais, c'est ça, projet Morpheus. On continue. Quel célèbre jeu de combat a été adapté au cinéma avec Jean-Claude Van Damme dans l'un des rôles titres? Yeah, merci beaucoup pour le follow, Happy. Merci beaucoup. Et oui, Costa, Walmart, qui marque le point, c'est Walmart. C'était Street Fighter, effectivement, avec Raul Julia, donc Gomez Adams, hein, dans la famille Adams. Et c'est d'ailleurs l'un de ses derniers rôles, le rôle qu'il a, il tenait le rôle de Bison. Et Jean-Claude Van Damme avait le rôle de Giles. Très bonne réponse. Alors, Antiquité Mythologie. Dans quel lieu ? Attenant au théâtre de Pompée, se déroula l'assassinat de Jules César. Pas le Colisée n'existait pas à cette époque. Ce n'est pas Pompéi, c'est pas le mot que je cherche. Le Sénat, c'est trop vague. Ce n'était pas Dubaï ni l'Arc de Triomphe. Disons que effectivement, on peut dire que c'est un Sénat. Mais le Sénat se déroulait dans un endroit bien précis. Les escaliers. Non, c'est pas les escaliers. Ce n'est pas les... Non. Pas de bonne réponse. C'était la Curie de Pompée.
Donc normalement, les séances du Sénat se tenaient dans la curia hostilia, c'est-à-dire la curie hostile, voilà, hostili, ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Et manque de peau, 12 ans avant, il y avait eu un incendie qui avait ravagé ce bâtiment, et au moment de l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, cette curie était toujours en réparation, en rénovation. Du coup, ils ont fait la séance, enfin les séances du Sénat se faisaient dans la curie de Pompée. C'est pour ça que d'ailleurs César, lorsqu'il a rendu son dernier souffle, est mort en fait au pied de la statue de Pompée, parce que c'était la curie de Pompée. Voilà. Pour la petite histoire. Ensuite, à quelle date se déroulent les Ides de Mars? Et on reste chez les Romains. À quelle date se déroulent les Ides de Mars? Donc, les Ides de Mars, c'est donc le jour exact où est mort César. Non, les Ides de Mars, c'est tous les ans, Abby. C'est tous les ans, hein, les Ides de Mars. Ce n'est pas le 13 mars, mais c'est pas loin. Pas le 14. Pas le 16, ni le 17, ni le 18, ni le 11, ni le 9, ni le 14. Le 15 pour Costa est sur le fil. Effectivement, c'est le 15 mars. Les Ides de Mars, c'est le 15 mars. C'est quand on dit que Jules César est mort donc aux Ides de Mars 44 avant notre ère. C'était donc le 15 mars 44 avant notre ère. Bon, il est aux alentours de 6-7 heures du matin, une connerie comme ça, j'ai plus l'heure exacte en tête. Mais en gros, c'était ça. Jeux vidéo maintenant. On revient sur les jeux vidéo. Qui inventa en 1962 le mot informatique? Qui inventa en 62 le mot informatique? 62, Gates devait être à peine sorti des couilles de son père. Ah, un informaticien, sans doute, mais il portait pas alors ce mot-là. Ouais, Et dit Malou, c'est possible, mais je crois pas qu'il soit né à ce moment-là. Ce n'était pas Robotnik. Ça, pour toi, ça, vous voyez, c'est des questions qui sont très intéressantes, parce que finalement, c'est des trucs qu'on utilise aujourd'hui, tous les jours, hein, l'informatique, mais on connaît le nom, mais on sait pas qui l'a inventé. Alors, pour sa propre culture personnelle, hein, bien entendu, hein, c'est quand même pas, hein, c'est pas le truc qu'on va sortir dans les conversations mondaines, parce que bon... Déjà, on s'en branle. Mais pour sa conversation, pour sa culture générale à soi, vraiment, c'est intéressant de savoir quand même que c'est Monsieur Philippe Dreyfus qui, en 62, hein, inventa le mot informatique. Voilà. Voilà, Walmart, effectivement, Philippe Dreyfus. Donc, c'était pas Guy Lux, hein, Guy de la Lumière, hein, de son. Hein. Ce n'est pas Jean-Pierre Foucault non plus, hein, voilà. Oui, c'est ouais, c'est compliqué. Quel système d'exploitation? C'est la question suivante. Quel système d'exploitation voit le jour en 1985? Oui, effectivement, oui, Costa, c'est toi qui marque. Bah, c'est pas Windows 95, mais j'accepte puisque c'est Windows. Windows 95, c'est pas en 85, hein, on est bien d'accord. Mais c'est Windows. C'est le premier Windows, effectivement, qui est arrivé en 85. Le Windows, enfin, il y a eu Windows 3.1, puis il me semble qu'avant, il y en avait un autre, mais je sais plus exactement. Je sais plus, j'ai oublié. Ouais. Question suivante, antiquité, mythologie maintenant. À quelle date se déroula la bataille d'Actium, permettant à Octave Auguste de rester seul maître de Rome? Donc, soit l'année, soit la date complète, pour ceux qui connaissent. Alors, pour ceux qui pensent connaître et qui me donnent pas la date complète, bien sûr, il n'y a pas de point. Donc, non, Walmart. Non, champi. Non, sors du corps de Walmart. Donne bien la date. Donc, ce n'est pas le 12 avril 254 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas le 18 juin. Là, je veux vraiment la date exacte ou au moins l'année de la bataille d'Actium. Opposant Cléopâtre à Octave. Pas de point. Et oui, je l'ai dit en plus tout à l'heure. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure quand on a eu la question sur Cléopâtre.
Donc c'était le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ hein, que cette bataille opposant les navires de Marc-Antoine et Cléopâtre face à l'amiral Marcus Vipsanius Agrippa et Octave se sont affrontés. Hein, donc Actium, c'est au large hein, de la Grèce. Voilà, c'est on va aller entre l'Italie et la Grèce. Exactement. Actium, c'est un promontoire en Grèce. Et la bataille s'est déroulée en mer, donc au large des côtes grecques. On continue, donc pas de points pour cette question-là. On continue. Quel roi légendaire gouverne la cité sumérienne de Uruk en 2600 avant notre ère? Ah, celle-là. Alors, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas Farouk, ce n'est pas Crésus. Roi légendaire mésopotamien qui a d'ailleurs engendré une légende autour de ce personnage qui est assez assez extraordinaire. Donc c'est pas un Uruk-hai. Mais pas Babel, ni Ubus, ni le Hyrule, le père de Zelda. Est-ce que j'ai oublié de conneries? Non. Personne. Oui, Walmart, Gilgamesh, effectivement, Walmart sur le fil. Effectivement, c'est le roi Gilgamesh. Et tu rattrapes tout petit peu Costa. Gilgamesh. Ben, tu connais, si tu connais pas Costa, regarde, il y a vraiment toute une histoire autour de ce personnage légendaire. Toute une légende. C'est super intéressant. Donc, n'hésite pas. Et j'en parlais en tout cas un petit peu la première émission que j'avais créée. À l'antiquité de A à Z. Si tu regardes un peu les replays que j'ai hein, sur YouTube, tu peux aussi avoir d'ailleurs accès depuis mon site, tu vas pouvoir trouver le replay donc, de cette émission qui avait été faite spéciale sur la Mésopotamie et Babylone. Et je parle un petit peu de cette époque de Gilgamesh. Et franchement, c'est vraiment kiffant. Hein. Et après, il y a un tas de documentaires et tout. Enfin bon. C'est vraiment, vraiment extraordinaire ce personnage-là. Catégorie jeux vidéo maintenant. Quel jeu de type FPS produit par 3D Realms est sorti en 2001 intègre un principe de mise en scène emprunté au cinéma, le bullet time. Et ce n'est pas Rainbow Six, ce n'est pas Counter-Strike et c'est Max Payne. Bien joué Walmart. Tu rattrapes Costa. Et effectivement, c'était Max Payne. Qui emprunte au cinéma le principe du bullet times. Bullet times d'ailleurs que nous avions vu pour la première fois, si je dis pas de conneries, vous me reprenez hein, si je me trompe, dans Matrix. À ne pas confondre avec le film de cul Matrix, hein, qui était tout à fait différent. Il y avait effectivement un temps de boule hein, aussi, mais c'était pas les mêmes. C'était pas le même concept. Jeu vidéo toujours, quel jeu développé en 1958 par William Higginbotham est considéré comme l'un des tout premiers jeux vidéo de l'histoire? Et ce n'est pas Pong! Tout le monde croit que c'est Pong, mais ce n'est pas Pong! Pong, c'est vu du dessus! Là, moi, je veux le jeu, hein, un peu comme Pong, mais vu de face! Donc ce n'est pas Ping Pong, ce n'est pas Tetris, ce n'est pas Space Invaders, ce n'est pas Casse-Brique! Un petit indice, c'est un jeu de tennis. Oui, donc ça s'appelle pas tennis, sinon ce serait trop facile. Non, ce serait pas... Enfin, il y a tennis dans le nom, hein, cela dit, mais... Non, donc pas de bonne réponse. C'est Tennis for Two. Tennis for Two. Voilà, Tennis for Two. Voilà, et oui, c'est le premier véritable jeu hein, fait sur oscilloscope en fait, hein, tout simplement. Tennis, voilà, c'est ça. Tennis for Two. On revient de l'Antiquité, cette fois de la mythologie. Autour de quelle année Périclès, vous connaissez les Grecs, hein, fait-il son apparition sur la scène politique? Autour de quelle année Périclès fait-il son apparition sur le devant de la scène politique? J'accepte à... Allez, à 5 ans près. Donc ce n'est pas en 1245 avant. Hein. Périclès, c'est pas si vieux. À 5 ans près, 450, c'est pas bon. Mais on n'est pas loin.
Ce n'est pas 440. Ce n'est pas 455, il en manque un petit peu. 460, c'est bon. C'est bon pour 460. Et c'est Costa. Et du coup, bah Costa, ouais, Costa est le champion. Bravo. Donc Costa, effectivement, c'est 463 avant Jésus-Christ. Hein, donc bravo, bravo, bravo à toi, Costa. Hein, j'espère. Voilà, les petites animations marchent toujours, c'est génial. La pause hein, des vacances n'a pas fait foirer mes petites animations. C'est magnifique. Tiens, je vais même les remettre pour le fun, hein, si ça veut bien marcher. Hein, voilà. Marche, petite animation. Voilà. Youhou. Et du coup, il vous a mis un KO, hein, bien entendu. Je m'amuse avec mes petites merdes. Non, bravo, bravo. Effectivement, c'est en 463 avant Jésus-Christ que Périclès fait son apparition sur le devant de la scène politique grecque. Donc, c'est des trucs que tout le monde s'en branle. Hein, on est bien d'accord. Mais bon. Ça, par contre, c'est intéressant de le savoir et puis de le ressortir de temps en temps. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc Costa, hein, mais je crois que c'est à moins que tu aies changé d'adresse, hein, bien entendu, mais sinon j'ai toujours hein, ton adresse. Auquel cas, bah, je t'enverrai la figurine pop, hein, puis j'imagine que la lunchbox et le porte-clés, je l'envoie à Sky, hein, avec vos magouilles, là, bande de tricheurs. Mais ouais, ouais, effectivement, ouais, presque dit en même temps avec Walmart, ça a été vraiment sur le film. Moi, le premier que j'ai vu en 4, avec 460, c'était toi. Donc c'est pour moi c'est toi. Hein, juste avant on avait un champi avec 480. 480, on est en pleine bataille des Thermopyles. Ça n'a rien à voir. Alors plus rien à voir du tout. Donc voilà. Hein, effectivement, donc Sky, je t'envoie ta lunchbox et ton porte-clés Harry Potter. Hein, voilà. et toi Costa, ta figurine C3PO. En tout cas, merci Walmart hein, et champi. Vous repartez, bien entendu, pas les mains vides, puisque vous repartez avec une clé Steam, comme d'habitude. Hein, comme d'habitude, donc, déjà, donner une première clé à Champy. Alors, Champy, qu'est-ce que je vais te filer comme clé, Champy? Tiens, je vais te filer ce truc-là. Hein, tu me diras si ça marche, et puis surtout ce que c'est, parce que je n'ai strictement aucune idée de ce que peut être ce jeu. Donc, ah, hein, tu me feras un rapport complet et détaillé hein, de qu'est-ce qu'est ce truc. Et pour Walmart, quel jeu je vais t'offrir, Walmart? Alors, si c'est un jeu, par exemple, que tu as déjà, hein, t'hésites pas à le refourguer, hein, voilà, hein, tu t'embêtes pas. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir te donner? Ah bah tiens, voilà, parfait, je vais te filer ça. Hop. Puisqu'en plus on en a parlé tout à l'heure. Donc à Champy, j'ai offert donc la clé Steam du jeu Fergus the Fly. Alors je ne vous cacherai pas, c'est ce que je viens de dire, je n'ai aucune idée de ce qu'est ce truc. Mais alors aucune, de chez aucune. Par contre pour la clé que j'ai offerte à Walmart, je connais ce jeu pour y avoir joué déjà moi-même. Hein. Je joue pas beaucoup, mais ça m'arrive quand même. C'est Max Payne, hein, voilà, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'était Max Payne. Donc voilà. Donc je vous fais, bien entendu, Sky et Costa parvenir les goodies le plus rapidement possible, hein, bien entendu. Alors je vous préviens de suite, ça peut-être à la fin du mois, parce que avec la poste, à mon avis, s'ils n'étaient pas fermés en juillet, ils doivent être fermés là maintenant. Donc je vous garantis pas de pouvoir y poster tout de suite. Mais voilà, quoi qu'il arrive, de toute manière, ce sera posté. Ensuite, prochain QPV. Le prochain QPV. Enfin, déjà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va déjà dire qu'est-ce qui se passe avant. Hein, voilà. Donc déjà, on va commencer par demain. Demain, bon, c'est pas encore programmé, je vais le faire là, après l'émission. Demain, conférence sur Rome, hein, je continue, hein, je persiste et signe. Je vais essayer d'ailleurs de trouver des conférences sur d'autres époques, puisque je vois que ça intéresse un petit peu, donc je me dis, on va essayer de trouver aussi d'autres trucs. Ça peut être également intéressant. Donc, conférence romaine, donc là, ça sera, je vais vous dire ça de suite, hein, sur quoi cela va être. Faut juste que je retourne dans mon studio vidéo, hein, bien entendu. Ça fait très pro hein, en disant ça, mais en fait, pas du tout.
Du coup, alors, est-ce que ça s'est affiché? Voilà. Donc, ça va être les monuments de la Rome antique entre le Moyen Âge et la Renaissance. C'est-à-dire enfin, qu'est-ce que sont devenus les monuments de l'Antiquité romaine à l'époque du Moyen Âge et de la Renaissance. Donc ça, franchement, c'est intéressant parce que vous allez vraiment apprendre des trucs, notamment sur le Colisée. Donc ça, voilà, ce sera le premier reportage qui sera donc conférence qui sera donc diffusée demain soir, hein, je pense. C'est le second. Ce sera sur les maisons à Rome. Comment était une maison romaine à l'époque. Ensuite, alors attendez, je vais voir ce que me dit Champy. Petit jeu de plateforme, d'accord. Un petit jeu de plateforme, ok, merci Champy. Ensuite, on a le Ciné Gaming dans la semaine. On est donc semaine 32 et Ciné Gaming, on va avoir Wolfenstein 2 et ensuite Metal Gear Solid en deux parties, le mercredi et le jeudi. Metal Gear Solid et mardi, donc Wolfenstein 2. On va continuer le. Donc c'est Metal Gear Solid 4, hein, pour ceux qui demanderaient. Voilà. Ensuite, on a samedi prochain, à partir donc cette fois de 19h, samedi prochain, l'épisode 3 Assassin's Creed, hein, de Sky et moi-même. Donc pour ceux qui ont déjà vu les deux premiers épisodes, soyez au rendez-vous parce que c'est samedi 19h pour le prochain épisode. Et ceux qui n'ont pas encore vu, hein, les premiers épisodes, les épisodes 1 et 2, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Sky puisqu'elle les a déjà posés. Et puis moi-même, mais moi c'est mes replays donc c'est pas pareil. Allez voir directement les épisodes sur la chaîne YouTube de Sky pour les épisodes 1 et 2. Ensuite, on continue avec donc le dimanche, il n'y aura rien, sauf si bien sûr je me décide à faire un Camoulox, j'en sais rien, ou un talk show, ou pourquoi pas un jeu. Hein. L'autre fois j'ai bien fait Bud Spencer, Terence Hill, Slap and Beans. Ça m'a toqué, il était 1h du matin, je fais tiens, je vais faire ça. Ça a duré 3 quarts d'heure, bon, voilà, histoire 2. Donc là, par contre, la semaine d'après, on aura La Terre du Milieu 1 et 2. Hein, et La Guerre du Nord en ciné gaming. Le lundi, il y aura toujours des conférences. Et par contre, on retrouvera le QPV le 19 août, avec encore une fois des choses à gagner. Ok, bah ça marche, Walmart. Merci en tout cas à toi d'avoir participé. Et puis, une prochaine fois. Toujours un plaisir de voir des participants tels que toi. Bonne fin de journée en tout cas. Donc voilà un petit peu. Ensuite, qu'est-ce le programme qui va arriver dans les prochains jours, semaines et mois? Hein, on va carrément faire ça. Hein, voilà. Donc dans les prochains jours, semaines et mois, on va avoir, donc comme annoncé, le documentaire en immersion que j'ai tourné le week-end dernier à Die lors d'une fête de reconstitution historique. Il est monté, il y a 1h40 de vidéo. Je vais regarder à nouveau. Apporter les petits réglages qu'il y a encore à faire dessus, si je dois faire des modifs, des ajouts, des suppressions ou autre. Donc voilà, je vais regarder si j'ai ça à faire. Si j'estime qu'il n'y a rien à faire, peut-être en fin de semaine, il sera diffusé. Mais ça, de toute façon, je vous tiendrai bien entendu informé. Dans le pire des cas, ce sera en troisième semaine d'août. Si je dois faire d'autres modifs, ce sera au troisième week-end d'août. Donc dans 15 jours. Voilà. Ensuite, autre truc qui doit arriver sur cette chaîne, c'est Histocosmeto, hein, en compagnie de Nimrodel. Donc Histocosmeto, ça sera l'esthétique, le cosmétique et l'hygiène du corps, mais d'un point de vue déjà historique. Et salut la Cortana, comment vas-tu? Donc d'abord historique, hein, voilà, ça va être une conversation. Moi, je vais parler de comment on faisait ça à l'époque, de telle manière. Et Nimrodel sera là pour dire ah oui, effectivement, machin, c'est un peu comme ça, on fait de cette manière-là aujourd'hui. Voilà, ce sera vraiment une conversation sur le cosmétique, quelle l'esthétique et l'hygiène du corps en tant que telle. Mais moi, ma partie sera plus sur le côté historique, bien entendu, le côté antique principalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à venir? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à venir? Le QPV Event. QPV Event, dessin animé des années 80-90. Hein, donc ça, ce sera de mémoire le 28 octobre. Un truc comme ça. Hein, voilà. Donc d'ailleurs,
je lance l'appel. Si vous avez des questions, hein, que vous voulez voir passer, n'hésitez pas, vous me les envoyez en MP, elles rentreront dans le jeu. Elle s'est fait pour ça. Ensuite, donc là voilà, hein, moi je pensais aussi avoir pour pouvoir avoir Brigitte Lecordier avec moi. Elle semblait partante hein, quand je l'avais contactée en avril dernier. Depuis, j'ai pas de nouvelles, donc je pense que ça ne l'intéresse pas et qu'elle me le dit pas. Hein, voilà. Mais bon, en même temps, je pense qu'à la mi-septembre, je la relancerai un petit peu quand même, histoire de savoir ce qui en est exactement, puis d'avoir une réponse. Mais bon, voilà. Moi maintenant, je parle plutôt du principe qu'il n'y aura pas de guest, malheureusement. Après, s'il y en a un, tant mieux. Si, mais a priori, il n'y en aurait pas. Donc voilà pour ce qui est du QPV animé 80-90. Ce sera donc le 28, je crois. Hein. Je vais vous dire ça d'ailleurs. La date. Je crois que c'est le 28, mais. Ouais, 28, c'est ça. 28 octobre. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai tout dit. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Donc la Cortana, à qui nous souhaitons bien entendu hein, un bon retour parmi nous, hein, parmi les vivants. Hein, bienvenue la Cortana. Faut plus nous faire des frayeurs comme ça, hein, bien sûr. On va éviter. Alors non, je ne serai certainement pas déguisé en Sailor Moon, hein, très clairement. Non, non, ouais. Non, le jour où vous me voyez déguisé en Sailor Moon, c'est que vous avez pris des drogues. Hein, c'est... Parce que moi-même bourré, je suis incapable de faire ça. Hein. Je peux faire des grosses conneries, mais pas ça. non, voilà, bah, je crois avoir fait le tour, rien à avoir oublié. Si peut-être un petit truc, bon, pour ceux, mais là c'est pareil, c'est une petite promo, hein, très très rapide. Pour... Et salut à toi Spirit MJ, comment vas-tu? Tu arrives à la fin malheureusement. Donc voilà, c'est Inception. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Inception, alors je vais vous le marquer, hein, je vais vous le marquer clairement. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Inception, ça, ce sera un jeu Android, un jeu de cartes RPG au tour par tour, mais les cartes seront faites par des dessinateurs amateurs et permettra de mettre en avant donc les créations et donc les créateurs de ces cartes. Et c'est ce en quoi moi je trouve le projet très intéressant, puisqu'il va pouvoir permettre à des personnes qui ont un talent de malade de pouvoir trouver une mise en avant. Voilà, vraiment trouver une mise en avant de leur talent. Et je voulais le souligner. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des dessinateurs hein, ou dessinatrices, hein, peu importe, hein, on n'est pas sexiste ici. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Des bits. Des bits sont arrivés. Merci beaucoup pour les bits. Donc voilà, si vous connaissez donc des créateurs, hein, des dessinateurs, des dessinatrices de talent, ou au moins amateurs, quoi, hein, pas professionnels, mais quoique, n'hésitez pas à contacter Inception sur leur page Facebook. Hein, vous marquez Inception, vous allez tomber dessus. Pour leur dire, hein, moi je connais cette personne-là, elle fait un travail génial. N'hésitez pas à la contacter et parler de votre projet. Parce que voilà, c'est un projet. Bon, après, c'est un jeu de cartes hein, comme un autre. Hein, voilà, c'est... Mais le truc, c'est vraiment qu'il y a cette mise en avant des créatifs. Donc voilà, moi pour ça, je fais de la pub. Après, bon, il y a mon frangin qui est dedans, hein, qui participe, enfin, qui est initiateur un des initiateurs du projet. Mais à la rigueur, ça m'intéresserait pas. Il n'y aurait pas cette mise en avant, je m'en foutrais, hein, très clairement. Mais voilà, moi c'est ça qui va m'attirer le plus, c'est vraiment la mise en avant d'artistes qui n'ont pas à l'heure actuelle de plateforme nécessaire pour pouvoir se faire connaître. Et là justement, je garde des bits. Merci Miss. Donc je garde, bien entendu, je garde. J'allais relire le message. Donc j'ai vraiment donc ce petit coup de cœur sur ce projet-là.
Parce que bah c'est vraiment la mise en lumière de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se mettre en avant de par leur création et qui manquent surtout de mise de moyens pour pouvoir se mettre en valeur. Et là, Inception, c'est vraiment le truc qui va leur permettre peut-être, je l'espère en tout cas, de se faire mieux connaître. Donc voilà. Il me reste, avant que le chat dans la gorge fasse trop des siennes, à vous souhaiter une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end également. Et je vous donne donc rendez-vous. Alors pour les lives en tant que tels, hein, comme là aujourd'hui, ce sera pas avant le 19 pour le prochain QPV. Ensuite, je reste bien à peu près présent, hein, lors des ciné gaming et des conférences. Donc n'hésitez pas, hein, si vous passez sur une des conves et que vous voulez dire un petit truc, si je vois, hein, je répondrai tout de suite. Si je vois plus tard, je répondrai plus tard. Hein, voilà. Donc, mais je passe, hein, je passe sur mes programmations, ne vous inquiétez pas. Donc si vous voulez laisser des petits messages, vous pouvez le faire avec grand plaisir. Encore une fois, félicitations à Costa pour sa victoire. Merci à Walmart, Champy, Sky, Nao, Abby d'avoir participé. Bienvenue à ceux qui sont arrivés à la fin, malheureusement, comme Spirit MJ et la Cortana. Malheureusement, vous êtes arrivés à la fin, c'est dommage, c'est dommage. Une prochaine fois, c'est pas un problème. Et je vous dis donc rendez-vous hein, bien très bientôt. C'était donc Elser pour Question pour un viewer. À très bientôt, tout le monde. Bye bye, des bisous. Of war. In this hour of peace.